Salut Schwab, Comment on va? Abricot TV, salut. Enfin, excuse, on est en France, on faut dire TV. Arrêtez de déconner, non? Aka, salut. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de la nature, comme d'hab. Parce que croyez-moi bien que ici, ça s'arrête pas. Alors attendez. Je devais vous faire ce petit direct un petit peu plus tôt et puis du coup j'ai été vachement pris. Désolé. Boris, salut. Jean-Paul. Bah t'as vu, ça va tranquille, hein. Bon, j'ai été donner un petit coup de main là à mes petites voisines hein, qui se mettent en autonomie. Et du coup, on discute, et puis le temps il passe, et voilà quoi. Christophe, salut. Bon, moi aussi, j'espère que vous tous aussi, vous allez bien. Bon, je voulais vous parler de deux, trois petits sujets tranquilles. Et résultat des courses, comme je suis vachement en retard et que vous voyez que eh ben, la nuit elle tombe. Salut Leslie. Je vais passer le dernier sujet en premier. J'ai pas le choix. Salut Jérôme. Et mon Fab, comment va? Vive la Moselle. Pas terminé les grandes chaleurs. Salut à tous. Ah ben non, moi non plus. Hein. Putain. Chez moi, il fait là en plein après-midi minimum 38 degrés à l'intérieur du cabanon. Alors que vous voyez, j'ai mis un filet, j'ai mis le parasol. Désolé pour la déco-reco. Croyez-moi bien qu'il fait bien chaud. Lui, il s'éclate à dormir sur le carrelage. Bref, on a chaud, on boit, on s'hydrate, parce que on se déshydrate, donc on essaye de compenser. Bon, allez, j'y vais, parce que du coup, si j'attends trop longtemps, on ne verra plus rien. Je vais quand même prendre une lampe, au cas où. Et je voulais vous montrer, parce que effectivement, tout le monde en parle. Donc si moi, dans mes conditions, je ne peux pas de ce genre de choses, c'est qu'il y a un blême. Hein. Salut ma sauge. C'est mon petit persil. Antoine, bonsoir du Maroc, yes. Essuie la caméra, c'est graisseux. C'est pas que c'est graisseux, mec. Attends, je vais l'essuyer quand même. Mais en fait, je vous l'avais dit, le téléphone il est tombé. Et puis la vitre arrière, désolé pour la déco reco, la vitre arrière s'est pétée. La vitre du téléphone, elle s'est carrément cassée. Et du coup, ça fait dégueulasse, quoi. Et j'arrive plus. Vous voyez, là, ça fait propre normalement. Voilà. Donc, je vais avoir la petite vitre. J'espère que ça va être la bonne pour pouvoir la recoller. Parce que quand il y a du soleil, je peux me croire que c'est encore pire. Hein. Alors, je vais vous montrer que, effectivement, on peut faire pousser des légumes sans eau. C'est génial, vous allez voir, ça marche super bien. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si on voit. Alors, ça, c'est mes salades. On voit que dalle. Vous voyez, ça, c'est mes salades. Ah, oh, ben, c'est bon, on voit sans lumière. Ouais, mais ma coup de chiffon, ça ne marche pas. Hein. Je vous le dis, j'ai pété la vitre arrière. C'est pour ça que ça fait ce genre de truc. Salut, Evelyne. Alors, vous voyez mes salades? Avec électroculture, magnétoculture, tout le bordel. Hein, ça pousse super bien sans eau. Hein. Alors que vous voyez que le terrain a quand même été préparé. J'ai mis du paillage, j'ai mis tout ce que vous voulez. Et voilà le résultat. Des bonnes feuilles. Je sais pas si c'est bon ça. Salut. Putain, c'est dégueulasse. C'est sec. Bref, regardez mes superbes haricots verts. Vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent régulièrement, tout ça, c'était paillé à gogo. Désolé pour la déco reco. Super! Ça, c'est du haricot vert, les gens. Regarde. Oh, c'est bon, hein, sans eau. Hein. Bref, vous avez compris que, effectivement,
C'est du grand n'importe quoi. Mais bon, moi, je ne tiens pas le discours que certaines personnes ont tenu. Parce que je pense que ce monsieur d'un certain âge s'est très très mal exprimé. Donc au début, en fait, quand il dit qu'il fait pousser des légumes sans eau, il s'est mal exprimé, c'est surtout il fait pousser ses légumes sans arrosage. Et c'est complètement différent. Parce que effectivement, pour avoir de la vie, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Celui qui n'a pas compris ça, c'est que je ne sais pas sur quelle planète il vit, mais en tout cas, il ne vit pas sur Terre. Je peux supposer que, ou soupçonner, ou subodorer, comme on peut dire, il y en a plein des synonymes dans la langue française de toute façon, supputer, tiens, que sur d'autres planètes, putain, ouais, c'est vrai qu'elle est dégueulasse l'image, hein, que sur d'autres planètes, peut-être que la vie a réussi à s'exprimer différemment que sur la nôtre, mais en tout cas, ici, ben, on est quand même obligé d'avoir de l'eau, sinon ça ne marche pas. Je pensais arrêter de boire de l'eau. Tiens, moi aussi, Abricot TV. D'ailleurs, comme je bois un peu de bière, je me suis dit, tiens, du coup, on va arrêter de boire de l'eau, puisque ça sert à rien. Et voilà quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour moi dans cette affaire qui n'a même pas lieu de faire le buzz, c'est que ce personnage s'est mal exprimé. Il ne peut pas faire pousser des légumes sans eau. Il peut faire pousser ses légumes sans arrosage. Ça, je peux le confirmer également. Mais il faut une certaine préparation de la terre, déjà pour commencer. Et ensuite, il faut aussi être dans un lieu géographique propice à l'humidité. Moi, ici, en faisant ce que ce personnage fait, à savoir que je l'ai déjà fait, hein, c'est-à-dire, d'ailleurs, vous voyez, il s'exprime très très mal dans le sens où il dit j'arrache les mauvaises herbes et je les plante dans la terre. Or, il n'y a aucune mauvaise herbe, il n'y a que des plantes dont on ne connaît pas les vertus. Donc, c'est vous dire à quel point ce monsieur doit être amoureux de la nature. Je pense qu'il est plutôt amoureux du rendement, même si ses légumes ont l'air quand même goûteux. Donc, il enterre toutes les herbes sauvages, ce qu'on appelle les adventices. Hein, et donc du coup, c'est l'humidité de ces végétaux, hein, parce que les végétaux sont à plus de 90% d'eau, il me semble. Peut-être pas tous, mais en tout cas, il y a un gros pourcentage d'eau dans tous les végétaux. Donc le fait de les enterrer sous terre et de... désolé pour la déco-reco. Donc en faisant pousser ces légumes sur ce genre de structure, donc en avoir enterré toutes les adventices qui vont dégager très doucement de l'eau, qui vont se décomposer extrêmement doucement en dégageant leur eau aussi doucement que ça, eh bien effectivement ça peut permettre à des végétaux de pouvoir pousser dessus et de puiser cette eau que ces végétaux dégagent. Mais ça ne marche que dans des conditions qui sont quand même assez élevées en taux d'humidité de l'air et en pluviométrie. Donc si je ne m'abuse, ce monsieur habite quand même dans le nord, hein, au niveau de Paris. Il pleut à gogo. Apparemment, à un mois chez lui, il a plu 100 mm. Moi, depuis mai, il a plu même pas 30 mm. Hein. Donc sa méthode, elle n'est pas appropriée à tout le monde. Comme il le dit mon ami Schwab, Cyril Schwab, elle est appropriée à chaque lieu géographique. Hein. Donc je suis aussi un petit peu surpris d'avoir vu certains gros youtubeurs répondre à ça, alors que pour moi ça m'a paru complètement stupide. La réaction de ce vieux hein, qui dit n'importe quoi en fait, parce que ben, effectivement, il n'y a aucune méthode dans la nature. La seule méthode qu'il y a, c'est de s'adapter à notre nature. Et pour ça, ben, faut d'abord être un certain temps sur notre lieu pour savoir comment se comporte le climat. Il faut aussi amender sa terre, hein, parce que si la terre elle n'est pas adéquate à garder de l'eau, hein, la terre, il faut que faire en sorte que ça soit une éponge, eh bien, ça ne marchera pas. Donc sa méthode, elle est appropriée à son climat, à sa terre qu'il a déjà travaillé, et c'est tout. Ça s'arrête là. Donc il n'y a pas besoin de s'offusquer sur ce que dit ce monsieur, parce que, encore une fois, c'est juste sa propre expérience dans son propre lieu géographique. En aucun cas, c'est adapté à tout le monde. Exactement, d'ailleurs, comme cette picouse qui est un gros poison, hein, qu'ils essayent de nous foutre dans le fion en nous disant que ça va nous sauver. Or, on est tous différents. Hein, donc là aussi, vous devez comprendre que ça ne peut pas marcher. Donc, ce monsieur, je pense qu'il a soit des actions chez Nestlé ou Coca-Cola, tiens, parce que c'est les plus gros consommateurs de flotte sur cette planète, ces deux crétins-là. Ou alors, il ne sait pas de quoi il parle et puis il dit de la merde. De toute façon, il le dit aussi avec, soi-disant, le fait d'arroser des plantes, de trop arroser des plantes à l'eau, ça dilue le goût, tu sais. Ben, là aussi, il dit de la merde parce qu'il aurait dû absolument préciser que ça marche. C'est ce qu'il dit, c'est vrai, mais c'est pour les cultures intenses et la monoculture. Effectivement, comme ben, les agriculteurs labourent trop leur terre, il n'y a plus de vivant dans la terre.
Désolé pour la décoroco. Là, ils sont obligés de faire des arrosages intensifs pleins de pesticides et effectivement, ça dilue le goût et en plus, ça empoisonne bah, tous les végétaux qui poussent par ce genre de processus. Hein, donc, c'est de la merde en boîte. Salut mon base. Voilà. Aussi, quand il fait encore une autre erreur, c'est quand il dit en gros que les agriculteurs sont feignants. Bon, bah, je suis désolé, mais ils sont tous sauf feignants. Hein. Moi, ceux qui me consomment depuis un certain temps, vous savez très bien que je crache sur les agriculteurs, en tout cas sur une partie des agriculteurs. Je suis contre le fait qu'un seul bonhomme puisse cultiver des dizaines et des dizaines d'hectares sous prétexte qu'il a des machines ultra modernes, parce que en fait, en l'autorisant à faire ce genre de truc, il va faire quoi? Il va faire que du rendement. Voilà, que du rendement. La qualité, là, on l'oublie. C'est, il faut faire pousser, il faut que ça pousse et tout. Donc, effectivement, il tue la terre, il empoisonne les sols et en plus, il empoisonne les gens qui consomment ce qu'il fait pousser. Donc, ouais, sur ça, je crache dessus, sur les agriculteurs, il n'y a pas de problème. Sur le fait qu'ils emploient des pesticides, sous le fait qu'ils ne sont pas contents quand enfin ce gouvernement de dictature capitaliste oligarchique, par le biais du Sénat, interdit les agriculteurs de mettre des pesticides à moins de 5 mètres des maisons. Hein, mais les agriculteurs, là, ils sortent dehors pour manifester, pour dire, ah, on perd des hectares. Hein. Ça, ouais, moi, je leur crache à la gueule sur ça, mais en tout cas, jamais je dirais que ces mecs c'est des feignants parce que, même avec leurs grosses machines, ils sont obligés de passer du temps, hein, et donc on peut dire tout sur ces gens-là, sauf le fait que ce soit des feignants. Donc, vous voyez bien que moi je pense que ce mec il a eu des actions, soit encore une fois, je vais pas reciter les marques que je viens de vous dire. Mais en tout cas, je pense qu'il a eu des actions chez des gros machins comme ça, puis même sur TF1 d'ailleurs, hein, parce qu'avec la canicule, on veut nous faire croire que eh ben, l'eau n'est pas nécessaire pour faire pousser des légumes. Hein, pour tout ça, pour nous faire nous obliger peut-être à en consommer de moins en moins. Et puis ça justifie bien sûr ce que nous dit ce pauvre d'esprit Véran, là, hein, le ministre de la Santé, là, qui connaît que dalle, il va falloir choisir entre se chauffer, se laver ou manger, je sais pas, je sais plus ce qu'il avait dit en troisième. Hein. Donc vous voyez, moi je vois ce genre de truc-là, c'est pour moi c'est une manipulation médiatique, hein, pour faire croire aux gens qu'il faut absolument consommer de moins en moins d'eau pendant que ces t'as vu, je me suis bien rattrapé, pendant que ces parasites, eux, puissent avoir des piscines olympiques avec jacuzzi, cascade, tout le bordel, hein, eux, ils consomment de l'eau à gogo. Et puis surtout, les gros agriculteurs qui font encore une fois de la monoculture, hein, que eux puissent avoir l'autorisation d'utiliser des centaines de mètres cubes d'eau pour arroser leur saloperie de plantes qui sont tout à fait dégueulasses à la consommation. Hein. Donc faisons, désolé pour la décoroco, la méthode de ce personnage à son endroit, elle marche, ça c'est indéniable, mais en tout cas, il a la prétention de dire que ça marcherait partout. Comme bien sûr apparemment son acolyte, parce que moi quand j'ai entendu ce monsieur parler, j'ai entendu Pascal Pote. Hein. Il dit exactement pareil qu'un Pascal Pote. Bon, Pascal Pote, chez lui, faut aussi ne pas oublier que c'était un ancien marais, ces terres. Hein. Donc un ancien marais, je suis désolé, les terres, elles restent quand même assez spongieuses au niveau du sol. Hein. Donc peut-être qu'il n'a pas besoin d'arroser alors qu'il est pas très loin de chez moi. Mais surtout aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est que ça fait des années-lumière qu'il est dans son territoire là-bas et puis qu'il a travaillé la terre pour qu'elle soit aujourd'hui devenue une éponge. Et effectivement, quand on est dans des conditions comme ça, on a besoin d'un arrosage minime pour que ça pousse. Mais il faut absolument être dans ce genre de conditions. Et en tout cas, ça ne veut pas dire, encore une fois, que le monde végétal n'a pas besoin d'eau. Celui qui dit ça, c'est un crétin et c'est rien d'autre. Il essaye de se faire mousser et voilà. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Sylvie Marmotte 14, salut, quoi de neuf dans le monde? Salut à toi, Antivodor France. Non, oui, je le connais, mais je ne le consomme pas et j'en ai pas du tout envie. Salut Jérôme Bolge. Ça bug, je suis désolé, ça buggera toujours ici parce que ma connexion elle est extrêmement petite. Démon 13, salut, salut petite plume Xia. Serge Ticone, bonsoir. Émeraude Océan, France, Philippe Repoussard. Allez, salut à vous tous. Voilà donc le premier sujet dont je voulais parler. Est-ce que vous avez des questions sur l'eau? Parce que bon, moi ça me paraît quand même curieux qu'il y ait des gens qui ont cru ce genre de personnage. Vous savez très bien quels sont les quatre éléments de l'apparition de la vie. Hein. Le premier élément, c'est l'eau. D'ailleurs, c'est même l'eau de mer à la base. Le deuxième élément, c'est l'air. Bon, après, il n'y a pas de hiérarchie dans les éléments. Hein. Il y a quatre éléments, c'est l'eau, l'air, la terre et le feu. En parlant de feu, tiens, voyez. En ce moment, il y a la France qui est en train de brûler. D'ailleurs, il y a eu un feu à côté de chez moi, là, à moins de 30 bornes. J'en sentais même les fumées, pour vous dire.
Donc ça va, ça a été maîtrisé. Donc si j'ai bien compris, c'est un accident de voiture et la voiture, elle a cramé. Puis du coup, elle a réussi à cramer l'équivalent d'à peu près 3 hectares. Alors ce qui est quand même assez stupéfiant là-dedans, c'est que autour de cette bagnole, il n'y en a pas un qui avait un extincteur, quoi. Normalement, les camions, les routiers sont censés avoir des extincteurs. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas un seul routier qui était dans le coin, hein, quand ça s'est... Eh bien, du coup, ça a cramé 3 hectares. Donc, pourquoi pas au niveau de la sécurité? Parce que moi, sur la sécurité, je suis vraiment extrêmement rigoureux, hein, parce que je ne peux pas me permettre de me blesser. Donc là, eh bien, est-ce qu'on ne devrait pas tous avoir, vous savez, les tout petits extincteurs dans nos bagnoles pour pouvoir parer à ce genre de truc, hein? Je pense que c'est pas, ça serait pas du luxe, hein? Après, ce qu'il faut faire, c'est peut-être le faire de nous-mêmes, chacun, hein, parce que si jamais on attend après cette dictature capitaliste oligarchique, automatiquement, ils vont nous l'imposer. Et en plus de ça, ils vont nous faire payer. Hein. C'est comme d'habitude avec eux, parce que eux, il n'y a que le pognon qui compte. Voilà, donc effectivement, le feu fait partie des éléments. Alors maintenant, c'est vrai que, bon, il y a toujours eu des feux sur la planète, mais depuis un certain temps maintenant, c'est des personnes mal intentionnées qui foutent le feu. Bon, après, le feu redonne de la vie. Hein, contrairement à ce que certaines religions peuvent prétendre. Mais en tout cas, c'est quand même un petit peu moins grave d'avoir un feu parce que la forêt repoussera que justement d'arracher des forêts, hein, pour faire des palmeraies à outrance, tuer tous les animaux qui habitent dedans, notamment les orang-outans, hein, et tout ça pour que nous, on puisse consommer des merdes remplies de saloperies, d'huile de palme, hein, sans compter bien sûr les conséquences humaines. Les gens qui travaillent dans les palmeraies qui sont sous-payés, mal nourris, toutes les espèces qu'on détruit, et puis tous ces arbres millénaires qu'on arrache, hein, pour faire des meubles pour des bourges qui ne respectent pas la nature, hein, en tuant bien sûr toute la microbiodiversité, puis la diversité tout court d'ailleurs. Ouais, effectivement, il est temps d'agir. Et justement, c'est ce qui va se passer apparemment dans pas longtemps, et on va en reparler un peu plus tard. Marie-Joëlle, salut. Maëlys Brunet. Unami 51, bonsoir à vous. Patogaz, salute, Liberta 01. Et l'éther, ouais, bien sûr, Marie-Joëlle. Patafix, salut Isabelle, bonsoir. Il est bien évident que rien ne peut pousser sans eau, on est tout à fait d'accord. Ce que ce personnage a oublié aussi, c'est dans l'air, il y a de l'eau. Hein. De toute façon, l'eau touche tout. L'eau touche la terre, l'eau, tout. Il n'y a pas un endroit où l'eau ne touche pas quelque chose. Et même dans les déserts, il y a de l'eau, c'est prouvé, bon, bref. Ouais, il y a des gens qui parlent en faisant croire qu'ils sont bons dans leur domaine. En fait, c'est des tocards, quoi. Et moi, ce mec, bon, j'ai rien contre lui, mais en tout cas, ça m'a. J'ai même moi, quand je l'ai entendu, j'ai dit, ce mec, il est stupide, il raconte de la merde. Et puis, je me suis absolument pas du tout offusqué. Et bon, tant pis pour les gens qui l'ont fait. J'espère. Désolé pour la déco-reco, elle a duré quelques secondes, celle-ci. Ça entretient des mauvaises ondes, hein, et puis ça continue à créer la division, alors qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix d'être conscient qu'il faut absolument qu'on s'unisse, hein, pour éradiquer le pire fléau que cette planète n'ait jamais porté, des gens qui nous imposent un système incompatible avec la liberté, l'amour et tout ce qui va avec. Hein. Bref. Liliane Goujon, ce sont les restrictions et la pénurie pour le peuple, mais l'abondance, l'opulence pour les riches et leurs complices politiques corrompus. Merci pour toutes ces infos. Ben, merci à toi d'avoir dit ce commentaire parce que c'est tout à fait vrai. Tout est voulu, on est d'accord. Je pense qu'on veut nous envoyer la peur. Ben, ça, c'est sûr, France, j'en parlais justement. Tout à l'heure, en entretenant la peur, après, ils nous disent que c'est eux les sauveurs, hein, donc ils nous font peur. Et après, ils nous disent, tenez, avec ça, on peut vous sauver. Hein. Donc, ils nous font payer double tarif en plus, mort de rire, quoi. Et le problème, c'est que ben, les gens, tu vois bien, ils foncent. Hein. Ils foncent tête baissée, ils y croient tous dur comme fer, mort de rire, quoi. Allez, moi, j'ai un extincteur dans ma voiture, il est tout petit, ben, ça suffit, tu sais. Hein. Ta bagnole, admettons, t'as un accident, j'espère que ça t'arrivera jamais, mais peu importe ce qui t'arrive avec ta bagnole, si elle commence à prendre feu, ça sera surtout normalement au niveau du moteur. Après, ça peut arriver également au niveau des faisceaux électriques, mais voilà, généralement, ça sera surtout sur le moteur. Ben, avec ton petit truc, tu pourras éteindre ton moteur. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et donc, faire en sorte que de ne pas cramer tout ce qu'il y a autour de toi, quoi. Tu vois? Et puis surtout, de ne pas cramer toi-même. Hein? Donc, je pense que c'est d'utilité publique aujourd'hui d'avoir tous des extincteurs dans notre bagnole. Hein? Bon, bref, à discuter, quoi. Alors, ça y est, ça commence à bloquer. Super.
Il est tout petit, ok, c'est bon. Je ne sais pas ce qu'il y a. J'arrive plus à toucher mon téléphone. Alors, j'ai deux extincteurs car j'ai un voisin pyromane. Ah ben d'accord. Salut Teramo. J'espère que tu vas bien. L'eau, c'est la vie, ça on est sûr. Malaoula. Bonsoir du 54, Catherine. Ben, salut à toi. Le problème, c'est que dans l'Ouest, ils ne vont pas planter des arbres, mais des panneaux photovoltaïques. Mais on est tout à fait d'accord, Joël. Et puis, on se dit bien que c'est voulu de cramer des forêts, hein, parce que eux, ça va leur rapporter du pognon à eux, les panneaux photovoltaïques. Hein. Ça va être des champs remplis de panneaux, et il va falloir payer pour de l'énergie gratos, hein, entre parenthèses, parce que c'est vrai qu'il faut fabriquer des panneaux, mais en tout cas, tu as bien compris, quoi. Ouais, toi, désolé pour la déco-reco. Tous les gens qui font partie de la politique, de la religion, des religions, pardon, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, même si moi, pour moi, il n'y en a qu'une seule, hein, c'est une religion qui a corrompu tous les autres. Bon, bref, c'est encore un autre sujet. Mais tout ça, c'est tous des corrompus. Les mecs, ils s'en foutent du vivant, ils monétisent tout de A à Z. Le vivant, c'est le dernier de leurs soucis. Il y a même des gens haut placés qui disent la nature, on l'emmerde, s'il vous plaît. Vous imaginez bien. Hein. Pour dire ce genre de crétinerie, faut vraiment être carrément en dehors de la plaque et ne pas aimer le vivant. Donc là, ces gens-là sont dans la haine, d'où le titre de ce direct, Amour ou haine? Vous faites partie de quoi? De l'amour ou de la haine? Ces gens-là font partie de la haine. Donc ils vous font partager leur haine en vous faisant croire que vous donnent de l'amour. Et donc toutes les paillettes qu'ils vous ont mis dans les yeux, là, en vous faisant croire que c'est utile pour nous, tout ça c'est de la haine, puisque ça engendre la destruction de la vie, et je dis pas de la planète parce qu'on en est encore loin, mais en tout cas de la vie, ouais, on tue des vies à cause de notre consommation, et ça c'est dramatique, hein. Et le pire c'est que voilà, ces gens-là nous font croire qu'ils nous partagent des bonnes choses, or c'est que des poisons. Et tout ça pourquoi? Ben parce que, tu l'as dit tout à l'heure, Patogaz, ils sont tous corrompus, ils ont tous bien baissé leur froc pour le pognon, toujours la même chose. D'où l'intérêt de cautionner justement ce qui va se passer le 15, 16 et 17, apparemment, un appel au boycott national. J'espère que vous allez tous y participer. Quand bien même vous boycottez pas tout, essayez de boycotter quelque chose qui correspond au capitalisme, et vous allez voir que là, ça va les faire chier, et si jamais on arrive à tenir plusieurs jours, ils vont pleurer. Hein. Bientôt, ils vont nous raconter que tu peux faire pousser des carottes avec de l'eau de mer. C'est ça. Gani Hassan, salut. Olivier Pouteau, salut à toi. Salut Gino. Macron, à part faire du jet ski, il fait quoi pour aider les pompiers? Mais il fait que dalle, Hakim. Hein. D'ailleurs, ça, regarde, le scandale, quand même. Hein. Ça, pour leurs bateaux de guerre, pour leurs avions de guerre, pour leurs sous-marins de guerre et tout ça nucléaire, hein, etc. Là, ils ont du pognon, là. Notre pognon, il sert à ça. Il sert à ce que ces corrompus montent des usines pour fabriquer des armes, pour qu'ensuite ils les revendent aux autres, hein, aux autres pays qui sont dans la misère totale, parce qu'ils sont tout le temps en guerre. Hein. Voilà à quoi servent nos impôts. Par contre, pour aller faire des avions ultra modernes, aussi modernes que leur saloperie de véhicules de guerre, peu importe leur mobilité, hein, là, il n'y a plus personne. Désolé pour la déco-reco. J'aimerais bien que nos impôts servent justement à protéger le vivant et pas à le tuer. Or là, vous savez très bien que c'est exactement ce qui se passe. Nos impôts servent à tuer le vivant. Hein. Donc ça, c'est dramatique. Il faudrait aussi qu'on... Quand on verra que le boycott, ça marche super bien, peut-être qu'on aura assez de courage pour aussi boycotter bien les impôts. Hein. Il serait grand temps d'arrêter de donner notre pognon à ces gens-là, parce que vous le savez ce qu'ils font avec. Ils détruisent, ils tuent le vivant, alors que normalement, on est censé le sauvegarder. Donc, je pense aussi qu'il faudrait vraiment faire des gros coups de gueule, hein, pour que, bien sûr, nos pompiers et ceux qui ne sont pas picousés, il y a hors de question que ces gens-là ne puissent pas faire leur vocation, ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire sauvegarder le vivant, hein, que ces gens-là ne puissent plus travailler, mais surtout qu'ils puissent avoir le matériel adéquat, hein, et on a les moyens de faire des choses ultra modernes. Il suffit de regarder, encore une fois, tout ce qu'ils font pour la guerre, hein, ils font des missiles à tête chercheuse, ils font tout, hein, vous allez me dire qu'ils ne sont pas capables de faire des avions ultra modernes. Ils font des avions ultra modernes avec des radars, détecteurs de tout ce que tu veux, là, hein, mais pour éteindre des feux, là, il n'y a plus personne. Hein. On a des avions de merde, les mecs, c'est tout juste, ils ne risquent pas leur vie quand ils vont faire ce genre de truc, mort de rire, quoi. Donc je pense que ça aussi, c'est à travailler maintenant chez nous, à dire qu'on en a marre que nos impôts servent à tuer le vivant, on veut justement que ça serve à le sauvegarder. Du vent à côté d'un feu, voilà ce que je retiens. C'est sûr que le vent, ça attise le feu. Hein.
Ils sont anti-vie, mais carrément. Razab, salut. Macron, 20 000 euros le bain de mer, puisqu'il faut privatiser la plage. Ben ouais, on est d'accord. Hein. Ces gens-là, mais c'est incroyable et vrai. Moi, j'ai un petit peu d'espoir ce soir parce que, comme il y a ce boycott qui est lancé depuis un certain temps, je me dis, ça y est, les gens, ils ont compris que d'aller manifester dehors, ça sert à rien. N'oubliez pas que ça, c'est quand même le début de la chaîne terrienne. Moi, j'ai créé la chaîne terrienne pour ça, pour vous essayer de vous faire comprendre que de manifester dehors, ça sert à rien. On peut manifester chez nous et on leur met des grandes tartes dans la gueule. Le boycott, c'est quoi? C'est la conséquence principale du boycott, c'est leur couper le robinet, les gars, les gens. C'est qu'on leur coupe le robinet, c'est-à-dire on arrête de leur donner notre pognon. Et ça, c'est de suite. À partir du moment où on décide de ne plus acheter leur saloperie, qu'est-ce qui va se passer? Les grandes surfaces, elles vont se retrouver avec des stocks qu'elles ne vont plus pouvoir écouler. Donc, elles vont arrêter d'acheter d'autres stocks. Hein, et ils vont se retrouver sous les bras avec des saloperies qu'ils ne pourront plus vendre. Et on va mettre des grandes baffes dans la gueule à tous ces capitalistes hein, qui nous imposent ce système qui est une dictature. Désolé pour la déco reco. Et ce soir, en parlant du boycott, il faut qu'on ait tous une grande pensée à cette chère dame qui s'appelle Colleen Serrault. Hein, n'oubliez pas que c'est elle qui a réalisé le film La Belle Verte, mais elle se bat depuis tout le temps pour justement faire comprendre aux gens, ça fait 40 ans qu'elle le dit, que le boycott, c'est notre arme de destruction massive. En employant ça, le capitalisme s'écroulerait en 3 jours. Hein. Donc voilà. Alors, si les ministres sont sur place, alors tout va bien. Quand ils seront réintégrés, les pompiers français non vax, les pompiers venant des autres pays d'Europe, sont-ils vax? Ouais, c'est sûr. Petite plume Xia, je boycotte déjà pas mal de trucs. Au final, on n'a pas besoin de grand-chose. Mais carrément, plume Xia, moi, je l'ai toujours vu. Hein. On n'a besoin de rien pour être heureux, en fait. Hein. Un peu de liberté, des copains, du pain à manger. Hein. Quand je dis du pain, c'est de la nourriture, de la bonne. Et voilà, je veux dire, hein, on n'a pas besoin de toute leur merde pour... allez, je vais rentrer, je vais allumer la lumière. De toute leur merde pour être heureux, quoi. Il faut arrêter de déconner. Hein. Donc, effectivement... la liberté, c'est avoir ce qu'on a besoin pour pouvoir se sentir bien. Alors, c'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui nous diront, il faut que je mette un froc là, qui nous diront qu'ils ont besoin de plus. Mais si ça reste raisonnable, je veux dire, ça ne me dérange pas. Hein, si quelqu'un a besoin d'un peu plus que ce que moi j'ai besoin pour ceux qui se sentent heureux, eh ben, qu'ils le prennent. Mais maintenant, quand ça devient de la consommation à outrance, ben là, effectivement, c'est pas normal. Hein, et on ne doit pas laisser faire ce genre de truc. Les gens doivent s'habituer. Non pas à se serrer la ceinture, parce qu'en aucun cas on doit se serrer la ceinture, mais à faire attention à ce qu'on consomme. Hein. Et si après on commence à consommer des bonnes choses, eh ben vous verrez que ces bonnes choses-là ont un taux nutritionnel largement plus gros que ce qu'on bouffe comme merde, et du coup on a besoin de moins manger. Vous voyez, hein, quand vous mangez de la viande, n'oubliez surtout pas que vous mangez de la viande en batterie, de la viande qui est déjà morte sur pâte, hein, et en plus de ça, qui n'a même pas vu le soleil, hein, qui n'a même pas eu l'occasion de pouvoir vivre dans le vivant. Ouais, désolé, je vais me servir à boire. Je boycotte la bière, tiens mon cul, ouais. Je vais me la fabriquer moi-même, ma bière, dans pas longtemps. Voilà quoi, donc... C'est à nous, discipliner pour qu'on se rende compte que, bah, effectivement, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Hein. Un peu d'amour, de l'espoir chaque jour, et puis ça suffit, quoi. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des bons copains. Et puis voilà, tout va bien. Pourquoi se prendre la tête à vouloir faire les kékés? Désolé pour les coreco, acheter des saloperies, puis aller à frimer après devant des gens... qui n'achètent pas de saloperies ou qui n'achètent pas des saloperies trop chères. Hein. T'as vu, moi j'ai les moyens d'acheter ici, j'ai les moyens d'acheter ça. C'est de la merde en boîte, ces gens-là. Ils n'ont rien compris à la vie, quoi. Donc il ne faut absolument pas se sentir diminué parce que justement, vous n'achetez pas des merdes qui polluent toute la planète. Voyez. Au contraire, soyez fiers de vous. Et surtout, soyez 2 fois plus fiers de vous parce que vous avez compris justement que vous n'avez pas besoin de paillettes pour être heureux. C'est ça le secret. Hein. Putain, je vois plus rien avec la lumière. Car on a les mêmes réseaux sociaux pour boycott et aucune carte bancaire que les petits producteurs. Ben ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit depuis tout le temps. J'espère, je croise les doigts que les gens soient attentifs à ça et puis que chacun va le faire. Alors, ce qu'il faudrait, c'est, si vous avez les moyens, le courage surtout, il faudrait boycotter aussi toute la presse. N'oubliez pas que la majorité des journaux en France sont possédés par des gros milliardaires qui polluent la planète. Hein.
Les presses, la presse, bon, toutes les presses, dont tous les journaux, les magazines, surtout les magazines People, hein, et bah, tous les magazines, hein, même les magazines de chasse, de voiture, tout ça. Faut boycotter toutes ces merdes, hein, ça leur montrerait que, bah, effectivement, c'est nous qui les consommons, c'est nous qui les faisons vivre. Hein, et regardez le scandale quand même avec la presse. C'est que des milliardaires qui possèdent ça, comme des Bolloré, hein, des gros parasites comme ça en puissance, qui vont exploiter les gens d'Afrique pour justement détruire toutes les forêts, pour mettre des palmeraies, pour ensuite nous vendre à nous de la merde. Hein. Bon, bref, eh ben, ces gens-là, si jamais ils ne vendent pas assez de journaux, ils ont des subventions de nos impôts, hein, pour les aider à, soi-disant, garder le cap, quoi. Mais mort de rire. Mais mort de rire, on se fait prendre pour des jambons, des jambons, des jambons de Bayonne en plus. Donc boycottons toutes ces merdes, en plus de ce qui est proposé. Donc effectivement, carte bleue, moi je la boycotte depuis, ça fait quoi? Ça va faire 2 ans que j'ai plus de carte bleue, donc je pense que je ne peux pas faire beaucoup mieux. Les grandes surfaces, ou du moins les grandes marques que les grandes surfaces nous proposent, hein, Ferrero, Nestlé, boissons gazeuses caramélisées de merde, hein, on nous parle de pénurie d'eau, mais n'oubliez pas que ces grands groupes-là, c'est les plus gros consommateurs de flotte quand même. C'est un truc de fou. Hein, donc voilà, sans compter que Nestlé a volé toutes les sources de la France, pourquoi on ne se révolte pas sur ça là? Pourquoi on ne monte pas des équipes pour aller... Désolé pour la déco-roco. J'espère que les gens vont prendre conscience que le boycott, c'est ce qu'on peut faire de mieux, parce que c'est là qu'on va leur mettre un coup de pied dans leur portefeuille. Et eux, comme il n'y a que le pognon qui les intéresse, croyez-moi bien que ça va leur faire mal. Mais ce qu'il faudrait, c'est tenir plusieurs jours, et une fois qu'on aura compris, hein, que c'est notre force, eh bien, les boycotter encore plus, parce que effectivement, on a des producteurs des petits producteurs qui font du bon boulot. Hein. Parmi le corps du métier des agriculteurs, ceux qui vont se suicider, ce n'est pas les gros agriculteurs qui ont fait des crédits de 3-4 millions pour s'acheter des tracteurs à 500 000 boules. Hein. Non, c'est les petits agriculteurs qui veulent travailler avec le vivant, et comme ils ont des taxes à gogo, et qui voient très bien qu'en travaillant 16 heures par jour, eh bien, ils n'arrivent pas à manger tout à l'heure. Hein. Heureusement qu'ils peuvent manger quand même leur production. Ils doivent payer des taxes à gogo, eh bien, leur petite maison qu'ils ont fait à crédit parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter autrement, eh bien, ils savent très bien qu'ils l'ont dans le fion, quoi. Hein, sans compter que ça ne leur appartient pas avec toutes les lois qui nous ont balancé, là, que les terres ne nous appartiennent plus, bah, les mecs, ils en viennent à suicider. Mais quand vous regardez bien le taux de suicide chez les agriculteurs, il est énorme. Mais quand vous regardez la catégorie d'agriculteurs qui se suicident, c'est pas les gros qui ont des dizaines et des dizaines d'hectares et qui font de la culture intensive en monoculture. Hein. C'est pas ces gens-là. Hein. Allez, santé à vous, qu'elle soit bonne. Tout ce qu'on consomme doit être avec modération. Vous voyez, c'est quand même hallucinant. C'est déjà pas mal de temps que je boycotte énormément, produits industriels, voilà. Mais c'est bien, fait partager, il faut... c'est bien les gens. Boycottez tout ce que vous pouvez, parce que vous savez que tout est corrompu, tout est du poison. Toute la chaîne alimentaire industrielle est polluée à 100%. Tout, la biscuiterie, tout, 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 les boîtes de conserve. Hein, on a appris qu'il y a un produit chimique à l'intérieur de la boîte de conserve pour pas qu'elle rouille. Hein. Tout ce qui est boîte de canettes en aluminium, avec l'acide qu'il y a des boissons gazeuses, tout ça, ça enlève des nanoparticules d'aluminium. Le corps, il peut pas rejeter ça. C'est un poison mortel. Hein. Ça crée Alzheimer, ça crée des cancers de tout ce que tu veux. Boycottez-moi toutes ces merdes. Si vous avez des boissons, déjà, achetez en bouteille en verre. Le verre, c'est recyclable à 100%. Je dis pas que l'aluminium, ça ne l'est pas, mais en tout cas, au niveau du recyclage de l'aluminium, c'est polluant, hein, même si on le recycle. Alors que le verre, il suffit de le faire fondre pour après le refaire autre chose. Et puis voilà. Ils ont donné des armes à l'Ukraine. Ouais, mais carrément. De toute façon, ils le savaient très bien, ça. Ils savent très bien pourquoi. Parce qu'ils veulent aussi créer des guerres civiles ailleurs, dans toute l'Europe, hein, pour ensuite imposer leur dictature. N'oubliez surtout pas que eux, ces gens-là, veulent la pensée unique. Et donc, du coup, pour en revenir au début de la vidéo, avec ce vieux-là qui... Désolé pour la déco-reco, ce mec-là, pour moi, il cautionne la pensée unique. Or, encore une fois, n'oubliez pas que, il n'y a pas de méthode spécifique à la Terre, il faut s'adapter. Voilà. Et comme elle est différente, la Terre, c'est aussi, elle est vivante, et elle est comme nous, elle est différente de partout. Je vous donne un exemple, regardez-moi ici, là, j'ai un voisin à vol d'oiseau, il doit être allé à 2 km à vol d'oiseau, hein. Donc à pied, c'est un tout petit peu plus loin, mais à vol d'oiseau, il est à 2 km. Et bien, ça arrive des fois qu'il pleut chez lui, il ne pleut pas chez moi, et vice-versa. À moins de 2 km. Donc, vous voyez bien que les parcelles, elles ont une pluviométrie différente,
une densité de pierre ou d'autres choses différentes, de l'argile un peu plus ou un peu moins. Tout est différent, puisque c'est le but de la vie, c'est d'être différente pour pouvoir faire marcher toutes ces espèces magnifiques. Hein, c'est d'être différent. Et regardez, là aussi, on en parlait parce que c'est un scandale aussi, ça. J'aide une petite voisine là qui s'installe en autonomie pas très loin de chez moi. Là, elles ont pris un terrain à plusieurs, elles sont à deux, bon, bref. Et là, on doit brancher sa bouteille de gaz. Il y a les embouts. Eh bien, même moi, j'ai 3-4 embouts, j'ai pris mes embouts, il n'y en a aucun qui va dessus. Alors que c'est un clips, j'ai deux clips différents. Non, ce n'est pas encore les bons, il faut encore aller acheter autre chose. Je l'ai déjà constaté, il me semble que je vous l'avais déjà dit sur d'autres vidéos. Les boulons, tiens, tu vois, tu peux pas prendre les boulons de ta bagnole pour la mettre sur ton autre bagnole, il faut que tu rachètes des boulons. Et c'est pareil pour les clés, hein. La clé, elle va pas sur ta bagnole X et sur la bagnole Y. Il faut que tu achètes la clé aussi pour la bagnole Y. Alors, tout ce qui est inerte a le droit d'être différent, mais tout ce qui est vivant, il faut que ça soit la pensée. C'est unique, hein, vous voyez comme c'est carrément dramatique tout ça. Donc il faut absolument pas qu'on se laisse faire. Et puis ça aussi, c'est un drame écologique, c'est-à-dire que ça pompe les ressources de notre planète, que ces enfoirés d'industriels, là aussi, c'est les fabricants, hein, qui fabriquent toujours des trucs différents alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Un boulon, c'est un boulon, ça sert à serrer, stop, point final, pourquoi avoir des trucs différents? Alors je veux bien croire qu'il faut des plus gros boulons pour des plus grosses roues, etc. Mais il y a des boulons qui peuvent être standards et on ne devrait pas avoir à chercher à chaque fois des clés différentes, ou alors se retrouver dans la merde si on casse un truc et qu'on puisse pas avoir le récupérer sur autre chose. Tout doit être standardisé, tout doit être identique au niveau de la mécanique, au niveau de ce genre de truc. Ça, moi, je suis pour, parce que justement, ça éviterait justement de gaspiller les ressources de la planète. Alors que là, regardez, il faut à chaque fois acheter une clé différente pour des boulons différents, des vis différentes, c'est un scandale. Pour moi, c'est un scandale. Alors, c'est un scandale parce que nous, ils veulent qu'on soit tous les mêmes, des Playmobil. Parce que, désolé pour la décoroco, tout ça, ils ont mis en place, c'est pour nous faire acheter. Voilà. Uniquement que pour, encore une fois, la même source, le pognon. Donc, le pognon, c'est la haine. Voilà, le pognon, c'est ce que vous appelez le diable, tout ça. Et donc, quand vous consommez ce genre de saloperie, eh bien, vous cautionnez la haine, en fait. Vous cautionnez le mal. Hein, voilà. Bref, à la santé de l'amour. Parce qu'il n'y a rien de plus fort. Surtout quand vous en êtes conscient. Parce qu'il vous suffit de le voir pour le sentir. L'eau 95, salut. La hulotte, salut. Ces salopards sont en train d'assécher les cours d'eau, mais carrément, en plus de les assécher, ils les polluent même. Hein. Ça aussi, c'est un scandale. Olivier, salut. C'est le boycott de... Et c'est pour quand le boycott de YouTube? Ah, celle-là, je l'attendais. Je me suis dit, tiens, c'est quand qu'il y en a un qui va me la sortir. Le boycott des téléphones, le boycott de tout. On est d'accord, il faudrait tout boycotter. Mais tu sais très bien que la majorité des gens, ils consomment leur téléphone. Hein. Donc, il y a l'appel qui est lancé pendant ces 3 jours d'éviter d'aller sur les réseaux. Moi, personnellement, je vais le faire. Ça me pose pas de problème. Tu vois ce que tu es en train de dire là, Olivier? Moi, je le prends pour moi. Je pense que je ne suis pas souvent sur YouTube. Tu vois, j'y suis sur YouTube quand je vous partage ma vie. Sinon, j'y suis pas, moi, sur YouTube. La preuve, c'est que les gens qui ont fait des vidéos pour parler de cet agriculteur, c'est des gros YouTubeurs. Je ne les connaissais même pas, les trois, pour vous dire. Je les connais pas. Je peux même pas vous dire qui c'est. Je les connais pas. Hein? Donc, tu vois, là, ce que tu es en train de me dire à moi, là, en gros, tu crées une forme de division, tu crées une forme de rancœur, hein, et puis je suis à 2 doigts de t'insulter, tu vois ce que je veux dire? Or, j'en ai rien à foutre, moi je sais ce que je consomme. Est-ce que toi, tu sais ce que tu consommes, mon gars? Hein, c'est ça qu'il faut savoir. À la place de regarder la poutre dans l'œil de ton voisin, regarde, non, c'est le contraire, la paille de ton voisin, regarde la poutre que tu as dans ton œil. Est-ce que tu boycottes assez pour me dire à moi que je consomme du YouTube et qu'il faudrait que je boycotte YouTube? Hein, c'est ça la question qu'en fait, qu'il faut que tu te poses. Moi, personnellement, j'ai pour l'instant... Je ne pense pas avoir des scrupules à me mettre dans la tête parce que de temps en temps, je viens sur YouTube pour vous partager mon mode de vie qui est quand même un petit peu différent du commun des mortels. Hein? Tu vois, il faut relativiser un petit peu. Mais c'est vrai qu'il faut boycotter YouTube. Je boycotte YouTube à ma manière, tiens, pour terminer là-dessus, puisque je ne monétise pas ma chaîne. Je vous propose, jamais je vous impose des publicités, moi. On est bien d'accord? Vous avez de la pub quand vous venez sur mes vidéos? Désolé pour la décoreco. Eh bien, je les boycotte, ces salopards, parce que je ne fais pas de pub pour eux. Voyez? Donc, tu vois, Olivier, soit tu ne me connais pas, puis tu arrives ici, puis tu me dis ce genre de truc pour faire ton malin. Mais si tu me connaissais, ben, tu ne le dirais pas. Mais effectivement,
C'est vrai qu'il faut boycotter ce qu'on appelle les GAFA, tous ces gros trucs et tout. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on ait le monopole de ça. Parce qu'encore une fois, pourquoi c'est certaines personnes qui auraient le monopole de Internet? Internet, ça doit être mondial. Voilà, c'est public, mondial, c'est tout. C'est une forme de technologie qui nous permet de communiquer de l'autre côté de la planète. Pourquoi ça devrait être payant, ça? Pourquoi on ne peut pas communiquer de façon gratos, hein? Donc, vous voyez, ça, c'est plus un scandale, ça, que de boycotter simplement deux, trois plateformes, même quand bien même cette plateforme-là, qui, je le dis depuis longtemps, c'est une plateforme de merde. Pour l'instant, je la consomme parce que ben, j'ai été sur Odyssée. Alors déjà là, j'ai pas beaucoup de vues, j'intéresse pas grand monde. Sur Odyssée, j'en ai 10 fois moins des vues, hein, tu vois ce que je veux dire? Donc bon, je fais quoi? J'arrête. De toute façon, encore une fois, je vous le redis, le but du jeu de mon mode de vie aujourd'hui, c'est dans pas très longtemps devenir carrément ermite. Donc effectivement, je couperai tous les réseaux et j'arrêterai de partager mon mode de vie parce que de toute façon, on voit très bien que ça n'a pas non plus un impact conséquent pour bien sûr changer la donne, même si de temps en temps j'ai l'impression que ça y est, ça va se sortir un peu les doigts. Et bref, petite question en passant, mais je préfère te la poser par mail. Matrice artificielle. Bon, tu peux la poser ici, hein, moi j'ai rien à cacher. Ouais, bah, j'ai vu ça, Hakim. Ils veulent financer que des merdes. Ils veulent financer que la haine. C'est ça, hein? Le titre, haine, amour. Regardez ce qu'ils font, ils financent que la haine, ces gens-là. Donc, empêchons-nous de le faire, empêchons-leur de le faire en boycottant. Voilà, je pense que c'est la meilleure solution. J'ai créé la chaîne Terrienne pour ça. Encore une fois, je vous le dis, ça fait 4 ans qu'elle existe, la chaîne Terrienne. Je l'ai créée début mai 2018. Et ma première vidéo, je parle de suite de boycott. Hein, et je parle de suite que bah, de sortir dehors pour manifester, la seule réponse qu'on a, c'est de se faire matraquer. Donc, j'espère que maintenant, les gens commencent à le comprendre. C'est difficile, c'est comme si tu demandais à tout le monde de retirer leur argent des banques. On sait jamais, on sera jamais assez nombreux. Le système bancaire tient ça depuis longtemps d'origine. Fred, étincelle, je te vois souvent sur ma chaîne. J'espère que tu me consommes depuis longtemps. Si c'est le cas, tu sais très bien que ça aussi, je l'ai dit depuis très longtemps. Désolé pour la de Coroco. J'avais déjà proposé depuis plus de 4 ans, justement, de sortir notre argent des banques pour la mettre que dans une seule, parce que de toute façon, pour l'instant, on est pris à la gorge. Si on n'a pas de banque, on n'a pas de carte, on ne peut pas payer, parce que maintenant, ils veulent, n'oubliez pas qu'ils veulent nous enlever l'argent liquide, hein, c'est pas pour rien, c'est pour avoir que du virtuel, pour pouvoir, bien sûr, nous dominer. Ensuite, avec toutes les puces qu'ils ont l'intention de nous foutre dans le trou de balle, hein, c'est pour ponctionner directement l'argent, hein, comme on va être reconnu dans toutes les villes et tout, si tu auras le malheur de faire la moindre erreur. Pim, Dieu suit, tu seras prélevé instantanément sur ton compte virtuel, avec ton argent virtuel, l'amende, hein, selon la faute que tu auras fait. Hein. Tu vas pas passer par les passages piétons, tu vas payer 15 balles, tu vas griller un feu, tu vas payer 300 balles, et ça sera débité de suite. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent plus qu'on ait de l'argent liquide, parce que malgré tout, ils ont compris qu'on arrive quand même un petit peu encore à se débrouiller, et eux, ils ne veulent pas qu'on puisse se débrouiller. Eux, ils magouillent, hein, c'est de la magouille qu'ils font à gogo, et ils savent aujourd'hui qu'on arrive à se débrouiller avec un petit peu d'argent au black, et ils ne veulent plus ça. Ils veulent aussi ces petits centimes-là, les mecs, hein, soyez-en conscients. Donc effectivement, faut boycotter les banques. Faudrait qu'on réquisitionne la Banque de France et qu'elle redevienne au peuple, et puis qu'on mette tous notre pognon là-dedans. On a l'équivalent de 2 000 milliards d'euros, ça aussi, hein, vous avez que mettre les mêmes fois que je dis, 2 000 milliards d'euros bien placés, on n'aurait même plus besoin de se crever le cul à aller travailler pour des guignols. Rien que les intérêts, ça suffirait pour qu'on puisse déjà ne serait-ce que manger tout ça à notre faim. Et donc, du coup, là, on pourrait employer notre temps à la place d'aller servir des guignols en costard-cravate, bah, à se cultiver, à échanger, à s'aimer, à faire les choses bien, hein, à la place de faire les choses de la haine, quoi. C'est plus Nestlé, c'est Leslie. Excellent, mon base. Lui, c'est un tueur. Voilà, franchement, prenez le truc. Hein. C'est plus Lesné, ça peut être un bon titre, un bon slogan. Tiens, voilà, un super slogan. Excellent, mec. Je ne les vois plus comme compatriotes, mais comme ennemis physiques de mon pays. C'est exactement ça. Avant que les moutons comprennent l'impact du boycott, il y aura plus d'humains à la surface du globe. Ben justement, Custino 22. C'est pour ça que vous êtes là, parce que vous savez, vous, ce que c'est le boycott. Eh bien, parlez-en à tous les gens que vous avez autour de vous, même les grands-pères, les grands-mères et surtout les petits. Faut lui dire aux petits, c'est de la merde de bouffer des bonbons Haribo. J'aime pas donner les marques, mais là, je donne les marques. C'est de la merde, c'est que de la gélatine de porc avec du glucose et du sucre, d'accord? Pourquoi vous achetez ça? Putain, la dernière fois, je vais voir un gars que j'apprécie. Le mec, il a du Nutella, il a des gâteaux, des princes.
Encore une fois, une déco-reco, désolé, j'en ai rien eu à foutre. Je lui ai dit ce que je pensais. J'ai dit, là, tu t'achètes de la merde. Ah oui, mais c'est tellement bon. Ouais, mais t'empoisonnes tes gosses. Et voilà le discours. Ah oui, mais c'est tellement bon. Bon, bah, c'est vrai qu'avec des gens comme ça, tu peux pas faire grand-chose. Mais à force de les matraquer, parce que c'est ce qu'il faut faire, les gens. Vous avez compris que la dictature a compris comment nous manipuler. C'est-à-dire, ils nous matraquent. Vous allumez vos télévisions, il y a de la pub à gogo. Vous allez sur YouTube, vous allez consommer des gens qui font des bonnes vidéos, il y a de la pub à gogo. Ils nous matraquent dans tous les sens et à force, on est lobotomisé et on croit que ce qu'ils disent, c'est vrai. Voilà. Donc, il est grand temps aussi de changer ce genre de truc. Mais en tout cas, il faut pas. T'as raison, Custino. Moi, je suis le premier à dire qu'il y a trop de moujons. Hein. Moujons, moujailles, moujubes et autres moutruches. Hein. Je pense que c'est moi qui ai sorti ça. Donc je le sais très bien, il y en a trop. Mais il ne faut pas oublier non plus que les moujons, ils suivent. Donc il suffit qu'on montre l'exemple pour que les mecs ils disent, ah putain, regarde, ah oui, c'est vrai que ben, on va les suivre. Ils vont suivre les cons. Parce que c'est des moujons, tu vois, ça termine pareil. Donc ne négligeons pas ça, et surtout ne négligeons pas l'impact qu'on peut avoir sur les autres à force de leur dire que ce qu'ils bouffent, c'est de la merde. Et surtout que ça coûte une blinde. Donc notre boulot à nous là aujourd'hui d'être conscient que le boycott c'est notre arme de destruction massive, eh bien il faut en parler constamment. Je me suis déjà pris la tête avec beaucoup encore une fois, des youtubeurs et notamment des gros youtubeurs qui n'ont jamais parlé de boycott. Ils ont des milliers d'abonnés, jamais ils ne parlent de boycott ces cons-là. C'est quand même incroyable, mais vrai quoi, putain. Moi ça me troue le fion quoi. Et donc voilà, ben, tant pis pour eux quoi. Hein, moi, je sais qui ils sont et voilà, tant pis. Moi, je pense que soit on s'unit et on fait les choses comme il faut. Et là, tout le monde, tous les youtubeurs, permaculteurs, tout ce que tu veux, devraient parler de boycott, influencer les gens à le faire. Parce que quand vous allez constater l'impact nucléaire dans leur bouche, ça avait une patate nucléaire. Vous savez ce que c'est une patate nucléaire? Bon, on en bouffe de toute façon des patates nucléaires. Mais l'image, hein, la tarte dans ta gueule nucléaire, ça va être pour le capitalisme. Ils vont pleurer, les mecs. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? On vend plus de presse, on vend plus de saloperies. Et les mecs, ils vont pleurer. Donc du coup, ils vont arrêter de déforester les arbres pour fabriquer du papier. Vous imaginez les conséquences. Si on arrive à faire ça, bon, 3 jours, ça sera déjà énorme, hein. Mais après, il faut le faire quotidiennement. Mais si après, les gens prennent conscience de cet impact écologique, bénéfique pour notre planète et pour le vivant, vous imaginez jusqu'où ça peut aller quand même. Vous imaginez franchement, ces mecs-là, ils croulent, ils auront compris qu'on n'a plus besoin d'eux, et après, là, on peut devenir souverain de nos pays, hein, respectifs, parce que c'est ce qu'il faut. Pas parce que ton voisin il va pas boycotter que toi tu dois pas boycotter. Donc continuons à boycotter et continuons à diffuser cette arme de destruction massive. Le boycott, c'est la manière la plus pacifiste qu'on a de détruire le capitalisme. Maintenant, les gens, il y en a certains qui se font les chauds, ils veulent aller dehors pour aller casser du bordel. Vous avez eu le résultat, hein. Vous cassez 2, 3 trucs, mais c'est encore une fois, c'est nous qui payons parce que c'est encore nos impôts, hein, le pays, c'est nos impôts et le pays nous appartient. Mais on casse le pays pour le reconstruire, tu vois, hein. Et eux, ils nous taxent 2 fois plus en plus. Donc non, arrêtons de faire ce genre de conneries. En plus, on risque nos vies, hein. Combien il y a eu de borgnes, hein, de mutilés là, pendant les gilets jaunes. Vous vous rappelez plus ou quoi? À votre santé. Restons chez nous peinards, invitons-nous les uns les autres, on fait des barbecues, on consomme de la bonne viande, on consomme des bons légumes et on boycotte tout le reste. Putain, on gagne du temps. En allant manifester, on perd du temps même. Vous imaginez, c'est chaud quoi. Loïc, salut, je vais très bien comme d'habitude. Je suis dans la semaine prochaine. Alors ouais. Alors je reviens lundi parce que ce week-end je vais enfin essayer de faire un truc bien dans un studio avec une de mes chansons. On va voir. J'espère, je croise les doigts que ça marche ça aussi. Pas pour la gloire, tout ça. Je m'en bats les couilles. Hein. Moi, c'est pour faire passer le message. Hein. On est bien d'accord. Mais à partir de ah non putain excuse mardi mercredi jeudi j'ai ma maman 1, 2, 3, ma petite maman qui vient me rendre visite et pour la deuxième fois elle reste dormir. Donc à partir de elle part jeudi dans l'après-midi. Donc voilà, à partir de vendredi samedi dimanche je suis prêt si jamais vous brassez là. Et sinon ben, la semaine prochaine je me mets prêt, hein, parce que là il faut qu'on le fasse parce que c'est ça me tient à cœur. En tout cas salut à toi Loïc, j'espère que tu vas bien, ta petite femme aussi qui attends, vous attendez un heureux événement, j'espère que tout va bien. En fumant, tu te rends compte que tu es défoncé par le système en temps normal. Pourquoi en fumant, Sylvain, de C, t'as pas besoin de fumer pour te rendre compte que tu es défoncé par le système. Hein, il suffit d'ouvrir les yeux et tu le vois bien qu'on est défoncé par le système dans tous les sens, quoi. Autrement, j'achète que des produits bruts, rien préparé, cuisine et tout. Il faut prendre le temps de cuisiner. Ça, c'est primordial.
aussi. Mais tout ça, c'est machiavélique. Ils font en sorte qu'on n'ait plus le temps et même de se préparer à bouffer pour qu'on achète déjà des plats tout préparés pour qu'on s'empoisonne encore plus vite. Tout ça, c'est une structure bien goupillée. C'est ce qu'on appelle une dictature. Ils nous imposent le fait de ne pas avoir de temps pour pouvoir être en bonne santé. Putain, c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Cuisiner, il n'y a rien de plus important. En plus, c'est prouvé maintenant, même médicalement, que le fait d'utiliser des couteaux, on se concentre un peu plus, on crée des connexions neuronales qui nous empêchent de nous couper. Désolé pour la déco-reco. En cuisinant, ça vous éveille aussi les papilles. Si vous cuisinez avec plusieurs éléments, plusieurs végétaux de couleurs différentes, hein, ben ça éveille aussi tout ça. Et quand vous avez mangé, eh ben vous sentez, vous avez cette sensation de satiété, hein, c'est ça. Vous avez mangé, vous avez plus faim. Hein, alors que si jamais vous achetez un plat préparé, 2 heures après, vous crevez la dalle. Il suffit d'aller voir tous ces clampins qui mangent les produits en préparation rapide, là, hein, restauration rapide. Les mecs, ils bouffent comme des porcs, hein, des gros machins dégueulasses, pleins de gras et de sucre. 2 heures après, ils crèvent la dalle, les mecs. Hein. Vous croyez que la France, elle devient obèse, pourquoi aussi? C'est pas pour rien. Hein. Salut, corps en force. Si il y en a d'autrement, j'achète. Ah oui, j'ai déjà lu. C'est ça, Marie-Joëlle, hein, inerte. L'inerte est différent et le vivant est unique. Putain, je dois être loin, je suis désolé. Fabien, tant qu'on ne prendra pas les armes, ils continueront à nous dilater le fion. Je suis d'accord avec toi, mais nos armes, c'est notre consommation. Notre arme la plus forte, c'est notre consommation. Hein. J'espère que c'est de ça que tu parles. C'est vrai, ils vont nous normaliser. Ouais, c'est ça, pensée unique. Hé, hey, mon Zéfri, salut. On est des Playmobil, ouais. Bonsoir tout le monde, s'ils ont le vis, nous avons le tournevis. Ouais, mais t'as vu, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent les vis. Hein, donc il faut qu'on adapte le tournevis à chaque vis aussi. Donc, enfin bref. Alors, attends, qu'est-ce que tu dis? Oui, pour les dépendeurs, c'est un par marque. Je viens d'en acheter une il y a 2 semaines. Comment achètent-ils les cours d'eau, Marie, Joël? Ils n'achètent pas les cours d'eau, ils volent les cours d'eau. C'est pour ça que ça devrait être un scandale. C'est pour ça que là, à la place de sortir parce que l'essence, il augmente, on devrait être dans toutes les nappes phréatiques et tous les cours d'eau de notre pays pour aller les dégager, ces gens-là. Hein? Ils n'achètent pas, ils volent. Et ensuite, ils nous revendent. Voilà le scandale avec l'eau. Voilà le scandale avec l'eau. Sans compter toutes ces usines qui dégagent leurs produits chimiques dans nos eaux. Hein, c'est pour ça que l'eau du robinet, ils sont obligés de mettre du chlore à gogo, de l'eau de Javel à gogo. Hein, et puis vous buvez de la merde. Comment tu veux être bien dans ta tête quand tu bois de l'eau qui est morte en fait? C'est pas possible, tu peux pas quoi. Moi je vais commencer par le boycott des abrutis. Tu vas avoir du boulot. Jean-Paul Dupuis, je vais faire les vendanges là, mais c'est tout. Sinon, je veux pas de boulot. Moi, je veux plus travailler pour le système. C'est fini. Ça fait 3 ans que je suis ici. Ça fait 3 ans que je travaille pour le système. Une fois par an, je vais faire des vendanges. Si jamais j'ai quelqu'un qui a besoin de moi pour X, Y raison, j'y vais. Hein, parce que, bah, effectivement, malgré tout, même si je ne perçois plus rien de cette dictature, bah, j'ai quand même un tout petit peu besoin d'argent. Hein. Il faut bien que je puisse me déplacer quand j'ai besoin de me déplacer. Pour l'instant, j'ai toujours pas l'eau sur mon terrain, donc il faut que je crame du carburant pour aller la chercher à 4 km aller et 4 km retour. Donc j'ai encore un peu besoin d'argent. Il faut bien que je paye mon assurance voiture et puis aussi mon téléphone. Je dépense à peu près en facture directe 40 euros par mois. Donc il faut bien que je travaille un tout petit peu pour les avoir. Alors bon, effectivement, comme je suis extrêmement minimaliste et que je consomme que des produits que je produis moi-même ou je suis locavore également. Hein, donc je dépense très très peu de pognon. Donc j'en ai vraiment quasiment pas besoin. Et donc je n'ai pas énormément besoin d'aller travailler pour faire du pognon. Sans compter que j'ai des gens, très peu de gens, mais extrêmement généreux, bah, qui me permettent d'acquérir des choses que j'aurais pas pu autrement que d'aller travailler. Et donc du coup, ça me facilite grandement. Mon quotidien, hein, parce que mes panneaux photovoltaïques, j'aurais jamais pu les acheter, des conneries comme ça. Hein, donc merci à ceux bah, qui m'aident de temps en temps comme ça, et j'arrive à m'en sortir. Voilà. J'arrive à m'en sortir. Tant mieux pour moi. Aussi, c'est parce que j'ai pas de gosse. Hein. Sécheresse et sèche et satellite d'Elon Musk peut-être un lien, mais carrément, Sylvain.
De toute façon, pourquoi balancer autant de satellites? Rappelez-vous que il est prévu que d'ici 2025, en totalité, il y ait déjà 50 000 satellites dans notre ciel. Donc déjà, moi, là, ici, je vois mon ciel étoilé. D'ailleurs, tiens, j'ai surpris quelqu'un à être étonné de voir autant d'étoiles. Ben, je lui dis, ben ouais, mais c'est ça le ciel, hein. Il y a des milliards d'étoiles dans notre ciel, quoi. Je veux dire, bon, bref, chaque fois que je regarde mon ciel, il n'y a pas... Allez, je vais dire, pour vraiment être sûr à 100%, et vous pouvez faire l'essai tout autant que vous êtes, toutes les 5 minutes, vous voyez un putain de satellite. Toutes les 5 minutes, la moyenne, c'est ça. Je suis sûr qu'elle est même encore plus basse. Mais pour être sûr à 100% que chacun en voit un, désolé pour la déco-reco, vous voyez un satellite passer dans le ciel. Si bien que en 2025, il y en aura tellement que ben, pour aller voir ce qu'il y a un peu plus loin, eh ben, il faudra des logiciels pour enlever toutes ces traînées blanches qu'on aura, hein, qui sont dues aux satellites. En était qu'une question, j'entends ta réponse, je ne souhaite pas te froisser. Non, mais t'inquiète pas, Olivier, c'est pas que tu m'as froissé ou pas, la preuve, c'est ce que je te l'ai dit, mais voilà, je pense que c'est pas que j'en fais assez, hein. On n'en fait jamais assez. Donc jamais je dirais que j'en fais assez. Mais bon, bah, comment on fait pour partager le bonheur? Comment on fait pour partager l'amour? Les réseaux, c'est vrai que Internet, c'est. Moi, je pense que Internet, c'est ce qui les a. C'est ce qui les a plombés, les mecs. Hein? Parce qu'ils savent très bien que les informations, elles se diffusent très, très rapidement. Et donc, du coup, ils savent plus quoi faire avec Internet. C'est pour ça qu'ils censurent à gogo, etc. Donc, moi, je pense pas qu'il faut supprimer Internet. Mais, effectivement, il y a plein de trucs qu'il faut supprimer, dans le sens où c'est extrêmement énergivore, hein, sans compter toute l'électricité qu'il faut pour ça. Voilà, donc il faut structurer Internet de façon à ce que ça soit un service culturel mondial. Exactement comme ce qu'aurait dû être la télévision. Rappelez-vous qu'au début, la télévision, il y avait trois chaînes en France et puis il n'y avait pas de publicité. Aujourd'hui, ils ont très bien compris que la lobotomie, ça marche super bien. Et par-dessus le marché, ils vous balancent les messages subliminaux, hein, même dans les films, de partout, parce qu'ils savent que ça marche. Après, on va acheter leur saloperie parce qu'on croit que c'est bon. Hein. Donc, effectivement, il y a quelque chose à faire sur Internet, mais moi, j'ai l'intime conviction que c'est comme la télévision, c'est des outils de culture, c'est des outils d'échange. Et donc ça, faut les boycotter, mais pour avoir le monopole, il faut que ça soit mondial. Ça, faut pas que ça appartienne à une seule personne. C'est ça. Ils ont privatisé les trucs. La privatisation, c'est de la merde. Que tu vas avoir ton lieu privé comme moi là, je veux personne qui me fasse chier. Je suis d'accord. Mais que je privatise comme l'autre clampin là d'informatique qui se prend aujourd'hui pour le plus grand médecin du monde là tout à l'heure, tu sais, Microsoft. Ça, pourquoi c'est lui qui a le monopole de Microsoft, je veux dire. Une fois que les inventions sont publiques, elles doivent absolument être publiques. Voilà, moi c'est comme ça que je pense, quoi. On ne devrait pas avoir de marque. C'est comme le scandale des voitures, il ne devrait pas y avoir 150 millions de marques de voitures. On fait une voiture les plus performantes au monde, et quand on sait qu'on a la technologie pour faire des voitures encore plus performantes, eh bien, là on refait une gamme différente. Pourquoi là on n'oblige pas les constructeurs à les recycler ces voitures, hein? Non, non, non seulement ils continuent à construire, et puis en plus de ça, nous comme des connards, eh bien on continue à aller acheter des bagnoles, hein? Je vous l'ai dit tout à l'heure, 150 000 trous de balles qui vont acheter des voitures tous les mois, hein? C'est par mois, hein? Il y a 150 000 voitures minimum qui se vendent en France tous les mois, toutes marques confondues. C'est quand même hallucinant. Donc, c'est quand qu'on est discipliné? La dernière fois que j'ai parlé de ça, il y a une personne qui m'a dit: Ah oui, mais c'est tellement agréable d'être dans une voiture neuve. Ouais, mais c'est ta vie, ça. Ta bagnole, c'est ta vie. Ben oui, c'est vrai, parce que tu passes ton temps dans ta bagnole, hein, pour aller au boulot tout à l'heure. Donc, automatiquement, c'est mieux d'être dans une voiture neuve. Hein. Donc, voyez bien, tout ça, c'est une mascarade. On s'est fait avoir en long, en large, en travers, en diagonale, en parallèle, hein, en horizontal et en vertical avec. Okay? Bon, ça, quand vous l'avez compris, bon, ben, vous commencez à réfléchir un peu plus et ben, vous relativisez un petit peu. Ça sert à rien de paître dans le paraître. Hein. Vos marques, tout ça, ça vous fait de vous des moujubes, le moujon qui fait de la pub pour les milliardaires. Voilà ce que vous êtes quand vous achetez des saloperies de marques. Hein. Hein, surtout quand vous les portez sur vous. Mais c'est bon, bref, à votre santé. Hein. Genre de boire de la bière, c'est. Tu sais, ça maintient ta santé. Je pense que ça fait mal si tu la consommes avec modération. Hein. C'est comme le vin, quoi. Enfin, bref. C'est ce que je dis, impossible en masse. Je dois être très très loin, je vais descendre un petit peu. SDF, proprio, salut à toi.
Ouais, ça va bien, Zéphri, t'inquiète pas, je m'éclate moi ici, hein, je revis. C'est pour ça que je peux me lâcher un peu, m'énerver un petit peu, façon de parler, m'énerver, parce qu'en fait, je m'énerve même plus. Moi, j'ai des choses, elles sortent comme ça toutes seules, parce que je suis conscient du bordel, parce que je sais qu'après, dès que je fais off, hop, je pose mon téléphone, je prends ma gratte ou je prends un bouquin, je regarde ma nature, là, je vais aller regarder mes étoiles, parce que n'oubliez pas qu'il y a des étoiles filantes. Tous les soirs, je vois des étoiles filantes, et t'inquiète pas, j'y pense plus. Donc c'est vrai que je peux me permettre de me, entre parenthèses, fâcher. Pour essayer d'avoir un genre de coup de gueule pour putain impressionner les gens et leur dire putain bougez votre cul quoi quand même parce que c'est tout simple hein. Notre cul sur notre canapé on fait tomber le capitalisme. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Ça ne marche pas. Donc allons-y, faisons distribuons cette parole, le boycott ça marche. Permaculteur, on a maintenant Cyril Anarchorette. Anachorète. Excusez, j'avais pas bien vu. Pas mal. Pensée positive à toutes et à tous. On est d'accord, monsieur MJ, c'est exactement ce qu'il faut. Pensée positive. Et même là, si je gueule un peu, Jérôme Bois, salut à toi. Je reste, moi, je suis 100% dans le positif. C'est pas parce que là, là, je dis qu'il y a du négatif. Ça ne veut pas dire que je le suis. Hein. Et justement, en disant ça, c'est pour faire prendre conscience à ceux qui n'ont toujours pas remarqué qu'il y a du putain de négatif qu'on n'a pas besoin en plus. Hein. Ils nous font croire qu'on en a besoin, mais on n'en a pas besoin. Hein. Enfin bref, je suis d'accord, veuillez vous trouver des alternatives. Peut-être la G1 est notre avenir. On verra bien. Écoute, de toute façon, si on. À partir de 40 ans, pardon pour la décoroco, à partir de 40 ans, je pense que vous êtes encore plus ou moins à l'abri, quand bien même vous n'aurez pas votre retraite. Les plus jeunes, ils sont dans la merde. Les plus jeunes, ils sont malins. Putain, désolé, je parle plus car on me prend pour un débile. Christophe 45, pourquoi tu dis ça, grand? On est drogué au sucre. Mais carrément, Serge, regarde le scandale avec tiens, le miel. Le miel, si vous achetez pas du miel chez votre apiculteur, c'est du glucose et du sucre. Et de l'eau, c'est de la merde. Et l'eau, elle est pesticidée en plus. C'est de la merde. Faites attention à ce que vous achetez, putain. Ça demande juste un tout petit peu d'attention, hein. Et voilà. De toute façon, quand vous prenez en compte que dans toutes les grandes surfaces, ils nous vendent que de la merde, ils cautionnent tout ça. Et donc, eh ben, faut arrêter. J'ai fait un délit aujourd'hui. J'ai bu un verre de coca. Oh putain, t'es sérieux, Christophe? Allez hop, tu sors. Bah écoute, c'est comme ça. Et salut, Joanne. Merci pour tout ce que je dis. Courage. Courage aux. Et plus aux hésitants, effectivement. Courage aux résistants, parce que bah, il faut mouiller le maillot, mais courage aussi aux hésitants, parce qu'effectivement, je comprends hein, qu'ils appréhendent le truc et tout, mais il faut pas avoir peur. La vie, c'est un miracle perpétuel, et elle veut qu'une seule chose, notre bonheur. Il n'y a que des parasites qui veulent notre malheur, ok? Donc il suffit de s'en rendre compte aussi. Donc dégageons cette haine et restons dans l'amour et vous allez voir que c'est magnifique. C'est magnifique. Le boycott, ça fait devenir naturel, c'est ça. J'ai plus de patience avec les moujons, j'en deviens violent. Bah, je comprends, Gaspard, mais tu vois, moi, je crois que je me suis mis ici, loin de tout le monde. Pourquoi? Parce que je sais très bien que je commençais à devenir violent. Je savais très bien qu'un de ces quatre matins, si je restais dans cette société, dans ce système de dictature capitaliste oligarchique, je dis ça pour pas dire ce système de FDP, hein, j'allais faire quelque chose de mal. Et j'ai pas envie de me retrouver en zonzon parce que les gens, ils comprennent que dalle. Donc qu'est-ce que je fais? Je me sors de ce système, je quitte même la société et je me mets en création de devenir plus tard un ermite. Parce que c'est sûr que mon chemin me fait aller ben vers la solitude totale. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Je le sais. Vous imaginez qu'aujourd'hui, je reçois que des gens, cette année, j'ai reçu que des gens que je connaissais. Et salut, anarchiste nationaliste. Elsa, salut, santé. Aujourd'hui, cette année. J'ai reçu, résistant du 33, comment va? Trop de gens qui manquent de couilles en France. Hein, on est tout à fait d'accord, mon ami. Aujourd'hui, désolé pour la déco-reco. Cette année, je n'ai reçu que des gens que je connais. Et pourtant, à partir du troisième jour, même si je vous apprécie, ça m'agace d'avoir des gens chez moi. Vous imaginez? Je sais que je deviens de plus en plus sauvage. Et je sais que le bout de mon chemin, c'est d'être un ermite. Je le sais. Ça y est, j'en suis conscient. Donc j'essaie de partager encore le maximum de choses. Mais voilà, je suis conscient aujourd'hui que même les gens que j'aime,
Ben, je ne les supporte pas plus de 3 jours. Je suis désolé, hein. J'ai rien contre vous, c'est moi. Je sais que moi, je pense que j'ai fait mon temps avec les gens, avec la société. Et aujourd'hui, il me faut de la solitude, j'ai besoin de ça. Donc encore une fois, c'est pour ça que je peux me permettre de m'énerver, parce que tout à l'heure, quand ça sera fini, je claque et je... Écoutez, vous entendez? C'est putain... Rien que le fait d'entendre le son de la nature, ça me fait vibrer. J'ai les larmes aux yeux. J'ai l'amour que je veux, j'ai de l'amour en profusion, les gens. Bon, je continue à essayer de vous le partager, mais il y a un moment où je vais devoir arrêter parce que du coup, en étant encore connecté, comme me l'a dit tout à l'heure Olivier, c'est vrai que je suis encore connecté, je sais que j'arrive pas à évoluer assez rapidement. Je voudrais que ça soit plus rapide et je sais que je mets de plus en plus de temps à évoluer parce que ben, je reste encore connecté avec toute cette saloperie. Je le sais très bien. Donc c'est pour ça que je vais... arrêter ça de plus en plus, vous me verrez de moins en moins, j'en suis vraiment désolé, mais en tout cas, c'est le bout de mon chemin, ça. Voilà. Donc moi, j'ai besoin, maintenant, j'ai compris que j'ai besoin d'être conscient et de sentir la symbiose de cette perfection. Aujourd'hui, c'est mon dada. Voilà. Assécher un cours d'eau simple à les ressources et la détourner vers une autre destination. Bien joué, l'eau 95, c'est ce qu'il faut faire. Et salut, petit renard, comment vas-tu? Youpi, youlala. Je t'avais peut-être pas vu, je crois. Salut, Thierry Free. Et Jacques Pignolet. Citoyen, citoyen, citoyenne, pardon, hein, les femmes sont précieuses. Et citoyen de l'espoir, ami Maquisard, bonjour ou bonsoir, j'arrive en retard. Désolé pour la décoroco, si j'ai bien compris, tu es belge. Et donc, du coup, monsieur Jacques Pignolet a une chaîne YouTube et il fait des vidéos. Donc, je vous invite à vous abonner à sa chaîne parce que franchement, ce qu'il fait, c'est génial. En plus, c'est très marrant. Et en plus de ça, merci pour ton attention parce qu'il a fait une vidéo. Je vous dis pas, hein, je vais pas le, comment on dit, le spolier. Je crois que les jeunes y parlent comme ça. Bon, bref, moi j'aime pas parler. Je vais pas expliquer la vidéo à vous par curiosité si vous voulez voir. Mais en tout cas, il a fait une vidéo sur la chaîne terrienne. Et voilà. Donc, mais il n'a pas fait que ça. Hein. Je crois que tu as une trentaine de vidéos, mon cher Jacques, si c'est plus d'ailleurs. Voilà, allez le voir, inscrivez, abonnez-vous chez lui, mettez-lui des petits pouces pour qu'il soit répertorié, qu'il puisse nous faire des directs, parce que je suis sûr qu'on va se péter en deux de rire. Voilà, ça c'est. Voilà. Donc j'espère que vous allez le faire. Hein, faites-moi confiance. Si vous me consommez, c'est que vous me faites un minimum confiance. Donc si je vous dis que vous pouvez aller consommer ce personnage, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est assez original. Et voilà, il n'y en a pas à tous les coins de rue des gens comme lui. Et vous allez voir, je pense que vous allez me remercier. Youpi, qu'est-ce que tu dis si... Ah oui, tu parles à basse, ouais, d'accord. En tout cas, merci, hein, parce que moi, j'ai été mort de rire, mec. Tu m'as fait mourir de rire. Vivement que ça s'effondre, tout ça. Ouais, Gaspard, pardon, c'est à nous à pousser le bouchon. Hein. Maintenant, c'est à nous à y aller. Hein. Et même s'il y a énormément de moujons, eh bien, faut leur dire, les gars, arrêtez maintenant. Parce que vous nous emmerdez, c'est à cause de vous qu'on boite. On a besoin de vous pour marcher. Et si on est encore plus nombreux, on va courir. Et les mecs, ils vont s'écrouler. Ils vont s'écrouler, les mecs. Ils ne vont pas comprendre, là, les capitalistes. Bujard, je crois. Abraham, salut à toi. Pays des vaches, yes. J'ai une bonne mine, mais j'espère bien que j'ai une bonne mine. Bon, après, je suis crevé, hein. Franchement, je vous le dis, hein, c'est dur. Hein. Là, avec la chaleur, j'en prends plein la gueule. Hein. Il fait chaud, putain, waouh, je transpire. Bon, c'est peut-être pour ça que j'ai une bonne mine. J'ai peut-être éliminé, parce que comme je mange pas beaucoup, il fait trop chaud. Je mange surtout mes petites tomates. Tiens, regardez mes tomates qui ont poussé avec de l'eau. Alors, je fais pas des grosses prods, hein, faut pas croire, mais en tout cas, ça me suffit pour moi tout seul, quoi. Et puis, quand j'ai des petits invités, regardez, ça, c'est la récolte d'aujourd'hui. Voilà, ça me fait quelques tomates. Là, je peux manger des tomates à l'apéro 2, 3 fois, et elles sont, croyez-moi bien, délicieuses. Merde, j'en ai fait tomber une. Mes tomates, elles sont délicieuses. La peau, elle est légèrement épaisse, mais toutes les vitamines sont dans la peau. Donc là, j'ose bien imaginer que j'en ai 150 des vitamines. Regarde, je les ai même pas lavées, rien du tout. Hein. Je les ai cueillies, elles sont là. Tu crois que j'ai besoin de laver mes tomates? J'ai pas besoin de laver mes légumes, moi. Il n'y a que du naturel. Et s'il y a des microbes dessus, c'est des bons microbes.
Ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour, mais du pur amour, ça, les gens. Du pur amour. J'espère que vous en consommez de l'amour. Il faut maintenant s'occuper de nous et de notre famille. Les résistants, on essaye d'ouvrir les yeux des gens. Mais ça, c'est Jésus qui savait le faire. Ouais, mais bon, comme il n'est plus là, et puis qu'on raconte quand même beaucoup de conneries sur ce personnage, soyons tous des Jésus dans ces cas-là. Hein. De toute façon, je pense qu'on est tous. Donc, prêchons la bonne parole. L'amour, il n'y a rien de mieux. Voilà. Ils veulent nous faire croire que c'est la haine, mais on sait très bien que c'est l'amour. Le dire à des ados pour que les marques, c'est pas évident d'imposer certaines idées à mes ados. Je comprends tout à fait, Youpi, mais déjà parle-leur-en et montre qu'il y a des gens qui boycottent. Il y a des gens qui se battent pour que eux, plus tard, ils puissent manger sainement. Tu vois, cette tomate-là. Voilà. J'espère qu'ils ont déjà goûté des tomates comme ça. Mais c'est pas grave si c'est difficile. Il faut quand même le faire. C'est pas parce qu'il y a de la difficulté dans ce qu'on entreprend. T'as vu, moi, comme je me crève le cul ici, mec. Marteau burin, je te creuse un bassin. Alors aujourd'hui, ouais, grâce à un ami, Jérémy, j'ai acquis un marteau piqueur. D'ailleurs, je vais en avoir un deuxième. Donc les mecs, ils vont me dire avec moi, si je prends le marteau piqueur, j'espère que vous allez prendre le deuxième et puis qu'on va tabasser le bassin. Il faut que l'année prochaine, il soit fait, mon bassin, hein, les gars. Bref, pourquoi je dis ça? Oui, j'en chie, puis c'est pas pour autant que j'abandonne. Non, non, faut y aller. C'est dur, c'est vrai, c'est dur. La vérité, c'est dur. C'est très dur de dire la vérité, pas de dire la vérité, mais de faire entendre la vérité. Ils font tout pour qu'on ne sache que dalle. Voilà, ils font tout. Ils font tout pour qu'on reste au ras des pâquerettes, qu'on ne sache pas ce qui se passe, notamment dans la technologie, de partout d'ailleurs. Ils font tout pour ça, les gens. Donc, soyons unis, échangeons les bonnes infos, faisons partager notre savoir-faire, et le savoir-faire doit se faire savoir, partageons tout ça, tout en restant humble. L'anarchie, c'est tout le monde égaux, hein, parce qu'on est tous différents, mais il n'y en a pas un seul qui a plus de valeur qu'un autre, et il n'y en a pas un seul qui a moins de valeur d'un autre. Ça, c'est l'anarchie pure et dure. C'est essayer de copier la perfection de la nature. Voilà ce que c'est l'anarchie. On n'a pas la prétention de dire qu'on copie la nature. On essaye de copier sa perfection. Hein. Et donc, comme elle est en perpétuelle évolution, bon, j'ose espérer que peut-être les futures générations, si jamais elles ont compris tout le combat que certains d'entre nous font, que ça puisse ensuite devenir la copie conforme de la perfection de cette symbiose que nous montre la nature chaque jour. Émeraude Océan, salut. Allez, je descends un petit peu. Le miel, il faut le prendre. Putain, je dois être super loin. Je dois être super loin. Donc, je descends vite. Je regarde Jessie, salut. Juste, si jamais je vois des gens à qui j'ai pas dit salut, je regarderai si j'ai loupé quelqu'un d'entre vous, je vous ferai un salut la prochaine fois. Damoclès, salut. Gino. Je pense que si les gens ils me consomment comme ça, c'est que ouais, j'espère bien qu'ils m'aiment un minimum. Moi aussi, j'aime les gens, je vous aime. Même si je vous supporte pas plus que 3 jours, ça ne veut pas dire que je vous déteste, non. C'est que je sais que j'ai autre chose à faire. Véronique, dommage, j'aime bien ta chaîne et ta petite vie. Bah écoute, Véronique, c'est pas demain non plus que je vais le faire, hein, parce que malgré tout, Laurence C. Giron, salut à toi. Tu vas vider ton eau et arroser ton jardin, fait nuit, mais pas grave. Ah oui, tiens, en parlant de ça, d'une personne qui arrose son jardin le soir, elle m'a donné cette lotion, là, cette préparation, donc vodka clou de girofle. J'ai essayé, ça marche sur, on va dire, 90% des moustiques. Il y en a toujours 10% qui crèvent tellement la dalle qu'ils viennent quand même. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal efficace parce que j'ai fait l'essai genre une semaine après parce que tu m'as dit qu'il fallait macérer, je ne sais pas si la personne est là. Pendant une semaine, je l'ai utilisé au bout de 3 jours, je sentais que ça commençait déjà à faire chier certains moustiques. Et au bout d'une semaine, ça faisait chier plus de 90% des moustiques. Il y en a toujours une ou deux qui vient me sucer, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça a l'air assez efficace. Donc je pense que d'associer ça avec d'autres produits de plantes, il y a peut-être moyen qu'on ne se fasse plus piquer par des moustiques, quoi. Allez, merci Catherine B. Bon courage à toi pour ton jardin. La pisse de chat et les épandages.
Martine, un peu de saloperie sur les tomates aussi. Ouais, bah, je le sais très bien. Regarde, j'avais rien eu pendant les pour la de Coroco. Avec tous les épandages qu'il y avait fait il y a 2 ou 3 jours, je ne sais plus trop. On voyait même plus la lune pour te dire. Hein. Laure Souveraine, salut. Je vais très bien, j'espère que toi aussi. Ah, je suis en bas. Allez, j'en profite. Bonne santé à vous. Faut faire attention avec ce genre de verre parce que si tu bois trop vite, tu t'en fous partout, quoi. La bière, c'est bon à boire, mais quand tu t'en renverses dessus, par contre, après, ça sent pas bon, quoi. Salut, un nid de chauve-souris pour les moustiques. Ben ouais, j'en ai 2-3 des chauves-souris. J'aimerais bien savoir où elles nichent, comme ça, je leur donnerai un peu plus de confort pour qu'elles viennent encore plus. Voilà. Hein. Vivement qu'il pleuve, André. Normalement, chez moi, il pleut la semaine prochaine. Je croise les doigts et ils annoncent 3-4 jours de pluie. Comme je l'ai dit en début de vidéo, moi, depuis le 1er mai jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas. Si, j'ai eu à peu près 30 mm d'eau. 30 mm d'eau, c'est que dalle. Hein. Donc l'autre, en un mois, il en a eu 100. Tu m'étonnes qu'il arrive à faire pousser sans se crever le cul à arroser, les mecs. À la tienne aussi. Tu la mets où la vodka girofle? Sur toi ou tu vas poser à la maison? Je la mets sur moi. Tu prends, tu sais, les petits bocaux de. Attends, je vais te montrer. Les petits bocaux de poivre ou de machin là. Tu mets la moitié de clou de girofle et tu remplis de vodka. Tu mets ça à macérer pendant une semaine. Et résultat des courses, ça sent très très bon. Là, tu sens plus la vodka, tu sens que le clou de girofle. Et franchement, c'est vraiment pas mal efficace. Je dis pas que c'est efficace à 100% parce que je mentirais. Tu vois, dans un tube comme ça là. J'avais mis ça de clou de girofle, tu vois, j'ai même pas mis la moitié. Et ça sent encore le clou de girofle. J'avais remis une deuxième passe de vodka là, et puis c'était beaucoup moins foncé. Donc un petit peu moins efficace. Mais ça y est, j'ai acquis de l'huile essentielle de clou de girofle. Donc j'ai mis 2-3 gouttes dedans. Et puis ça sentait aussi fort que la première fois. Mais voilà le truc. Et ça marche. Ça marche. Pas à 100%, attention, hein, mais ça marche. Mais voilà, après je prends ça sur ma main, je m'étale partout sur le corps. Là où j'ai la peau nue, quoi. Et voilà, quoi. N'y a pas que les chauves-souris contre les moustiques, hein, vous savez. Il y a énormément d'espèces qui bouffent les moustiques. Donc, c'est pour ça. Il y en a qui me disent, oui, les moustiques, ils sont chiants, ça ne sert à rien. Si, ça fait partie de la chaîne alimentaire. Ça nourrit donc les chauves-souris. Ça nourrit énormément de libellules. Moi, je suis très content. Désolé pour la déco reco. Ça nourrit aussi pas mal d'oiseaux. Ça nourrit des araignées. Ça nourrit énormément d'espèces, les moustiques. Hein, faut pas croire. Hein. Donc, les poissons, tout ce que tu veux. Hein, c'est très important d'avoir quand même des moustiques. Même si moi, je n'ai aucun scrupule à les tuer. Parce qu'il y en a, ça prolifère. Donc, je vois pas pourquoi je me ferais piquer. Hein, faut arrêter de déconner. C'est comme les mouches. Hein, mais en tout cas, ça fait partie de la chaîne alimentaire. C'est la nature qui a mis cette espèce en place pour nourrir certaines espèces qui en ont besoin, tout simplement. Hein. Il faut absolument comprendre son équilibre à la nature. Il est parfait l'équilibre, c'est symbiose totale. Alors c'est vrai que nous, on a des nuisibles. Ce qu'on appelle des nuisibles, on a des insectes, on a des espèces qui viennent nous faire chier. Mais toutes les espèces ont des espèces qui viennent les faire chier, vous voyez? Les moustiques, regardez, ils sont pas tranquilles non plus, hein. Il n'y en a pas un qui est dehors, là, avec des chauves-souris et les libellules, hein, croyez-moi bien, hein. RD, salut. Les hirondelles aussi, voilà, les oiseaux, il y a plein d'oiseaux qui bouffent des moustiques. Moi, j'ai un crapaud, là, la dernière fois, vous l'avez vu, je crois que dans la vidéo de juillet, bon, ben, le mec, je l'ai vu, il y avait un rampant qui est passé, poum, il l'a gobé direct. Donc, j'ose imaginer que s'il tombe sur un moustique, il le gobe aussi, tu vois? Donc, à l'Assemblée nationale, les nuisibles. Ah, c'est ça, Serge, exactement. J'ai vécu avec une araignée pour être débarrassé des moustiques. J'avais plein de piqûres d'araignées. Ah, ben c'était peut-être une araignée qui avait besoin de sucer un peu ton sang parce qu'elle avait passé le moustique. Moi, je laisse mes araignées, mais de temps en temps, j'enlève leur toile sans les enlever elles. Comme ça, elles refont une toile propre, hein, bien transparente et tout. Parce qu'après, ça devient grisâtre, ça fait un peu même dégueulasse. Donc, faut pas avoir peur de temps en temps de détruire leur toile qui est un peu usagée pour qu'elles en refassent une propre et tout. Et puis, comme ça, elles chopent encore plus d'insectes. Mais bon, c'est pareil. Hein, elles vont pas vous choper 100% de vos insectes. Hein, il faudrait que vous ayez une toile d'araignée dans vos habitations à tous les coins, quoi. Hein. Eric Antoine, salut du Tyrol.
Une mare avec des grenouilles, plus de moustiques, elles mangent les larves. Carrément, Yann, mais aussi il y a certains poissons qui évitent les larves. Ce genre de truc. J'ai très peu de moustiques au nom. J'ai été chercher de l'eau au bac. Nous avons beaucoup de sources. Excellent. Ah ouais, bah là, tu m'étonnes. En plus, c'est de l'eau bonne, ça. Les. Chez moi, tout crame, c'est la merde. Ouais, bah, j'en ai parlé un petit peu en début de vidéo, résistant du 33. Ouais, la France, elle crame. Et chez moi, là, c'était hier. Putain, j'ai plus la notion du temps. C'était hier ou avant-hier. Il y a eu un incendie aussi. C'était à genre une bonne quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau. Je sentais le cramer jusqu'ici, pour te dire. Mort de rire. Enfin, mort de rire, façon de parler. Hein. Mais bon, pareil, vite fait, en début de vidéo, j'ai dit que oui, ils avaient du pognon à nous voler pour aller construire des avions ultra modernes pour aller faire la guerre, ou des tanks, ou des conneries comme ça. Mais par contre, pour aller. L'année dernière, un été pourri, et cette année, c'est chaud. Il ne faut pas confondre la météo et le climat, c'est sûr. J'ai quelques grenouilles et des araignées, surtout des faucheux. Ben, les faucheuses, normalement, elles piquent pas les. Elles ne piquent pas normalement les araignées faucheuses. Ah non, c'est pas toi qui disais que tu te faisais piquer, pardon. Comment je peux te contacter? Je commence mon année sabbatique en septembre en fourgon. J'aimerais te rencontrer si tu es d'accord. Alors normalement, je reçois jusque fin août, je reçois que l'été normalement. Mais en septembre, comme on a décidé avec plusieurs gens, parce que depuis que je suis ici, je connais énormément de gens qui sont du signe de la Vierge. Donc on va faire une teuf quasiment tous les week-ends. Donc effectivement, tu peux venir, ça ne me dérangera pas, puisque j'aurai du monde. Hein. C'est pas comme si j'avais personne et puis que je doive assumer une personne. C'est que là, ben, j'aurai du monde quasiment tout septembre aussi. Effectivement, tu peux venir. Donc tu peux me contacter par mail. Normalement, dans toutes les descriptions de mes vidéos, je balance mon mail. T'as du stick mou quand même. Jacques Pignolet. Ouais, donc tu vois, pour ça, ils ont du pognon pour la guerre. Pour voilà, ben, la vidéo, c'est amour-haine. Notre pognon, ils nous le volent pour la haine, et en plus, ils nous le revendent. Hein, s'ils ne le revendent pas à nous, ils le vendent à d'autres pays. Mais pour l'amour, il y a notre pognon, il ne sert pas, quoi, tu vois. Donc pour protéger le vivant, il n'y a personne, mais pour tuer le vivant, alors là, ils sont nombreux, les mecs. Hein. C'est tout juste, ils ne se font pas de la compétition là pour dire, ouais, t'as vu, c'est moi qui en ai tué le plus. Hein. Allez, à votre santé, à la santé de l'amour, du vivant, que ça dure toujours et qui est dans toutes les générations des gens qui se battent pour continuer à faire vivre ce genre de phénomène. Voilou, bah écoutez, ça fait presque 1 heure et demie. Je regarde parce que j'avais noté de quoi je voulais vous parler. C'est quoi ça? Un incendie, pensée unique, boycott. Voilà, j'ai parlé de tout ce que je voulais vous dire. Donc, moi, ça va. Si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais, parce que d'ici 4 minutes, je vous quitte. Désolé pour la déco repoco. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai le marteau piqueur. Donc, de temps en temps, j'y vais pour tabasser un peu le bassin. Donc, ça avance vite. Mais maintenant, en fait, ce qui est vraiment très contraignant maintenant, c'est d'enlever les gravats. Tu vois, parce qu'avant, c'était marteau burin. Donc, je m'arrêtais pour changer de geste pour enlever les gravats. Alors que là, maintenant, avec le piqueur, tu piques, tu casses et tout. Et puis là, ben, je prends énormément de temps à enlever les gravats parce que ben, du coup, il y en a pas mal. Mais ça avance bien. Ça avance bien. Vous le verrez. Le 1er septembre, dans la vidéo du mois d'août, hein, je vous montre 2-3 trucs. Tu vas voir, c'est bien. Je suis content parce que ça avance bien. Je suis quasiment sûr que l'année prochaine, mon bassin est en eau. Quasiment sûr. Voilà. Si jamais les mecs qui viennent me voir là avant fin août, il fait pas trop chaud, ils sont d'accord de taper un peu avec moi parce que je vous ai dit là, je vais avoir un autre marteau piqueur, je vais en avoir un deuxième. Donc voilà, je pourrais avancer un peu plus. D'une manière ou d'une autre, moi je me suis donné une limite de profondeur. Normalement, je suis censé avoir de l'eau entre 3 mètres et 3 mètres 50. Je me suis donné la limite de 4 mètres de profondeur sur la berge où je suis censé trouver de l'eau. Si jamais à 4 mètres j'ai pas d'eau, j'arrête et là j'agrandis en largeur, ce que je suis déjà en train de faire, et je mets en eau. Voilà, je fais une barbotine pour tout étanchéifier et. La pluie de novembre prochain, là, vous allez voir, ça va me remplir le bassin. Hein. Voilà, comme ça, je pourrais commencer à mettre des plantes qui filtrent l'eau.
deux, trois petits poissons par-ci par-là, et puis attirer une faune et même une flore d'ailleurs, que je n'ai pas encore sur le terrain, et ça va me changer la vie, tout ça, je le sais très bien. Surtout, ça va changer la vie du vivant, hein, parce que là, grâce à cette eau-là, hein, à ce bassin, je sais très bien qu'il y a énormément d'insectes qui vont revenir, notamment les libellules. J'en ai déjà, mais grâce à ça, elles vont venir chez moi. C'est sûr, elles seront toutes là. Donc je pense que grâce à ce bassin, je vais multiplier les formes de vie différentes, mais je vais réduire surtout celles qui nous emmerdent, comme les moustiques, parce que automatiquement, je vais attirer énormément de prédateurs de ce genre de petits insectes-là. Et c'est génial, je suis content. Ça serait que l'année prochaine, je commence par les Alpes de l'Est. Ah d'accord, que l'année prochaine. Bon, bah écoute, j'ai largement le temps de me faire à l'idée et tout. Et puis bon, de toute façon, tu sais, je pense qu'à partir de là, maintenant, comme je commence à connaître pas mal de gens qui sont aussi du signe de la Vierge, on fera des teufs au moins une ou deux en septembre. Hein, donc voilà, ça ne change rien. En tout cas, tiens-moi au jus et bon, bah là, on a le temps de s'organiser. Ouais. Qu'est-ce que tu bois comme bière ce soir? Là, je bois de la bière. Pas spécialement très éthique, c'est la bière de garde. Bon, elle n'est pas trop dégueulasse non plus. Rapport qualité-prix, elle coûte pas cher. C'est une pote qui a été faire des courses. Crois-moi bien que j'ai hâte de passer chez toi, d'apprendre à la faire, et comme ça, je vais faire ma propre bière. Voilà, ça sera aussi un bon changement pour moi. Là, ce soir, le ciel rempli de fumée, un truc de fou. Tu m'étonnes, résistant du 33. Si toutes les bombes étaient des graines, il n'y aurait plus de faim. Ah, carrément, Jean-Paul. Isabelle, bonne nuit à toi. Merci d'être passé. Division 0, salut. Je t'avais vu, je ne sais plus. Bonne soirée, Plume Xia, plein d'amour, exactement. Hein, touchez de l'eau, de la bonne eau. Essayez de vous concentrer dessus et vous allez voir, elle vous donne très rapidement les vibrations. Et vous allez sentir un amour inégalé. Moi, je vous le certifie. Il paraît qu'il ne faut pas caresser la tête des araignées, car sinon, elles perdent leur poil, exactement. Mais la vraie question d'une telle info, c'est, mais qui caresse la tête des araignées? C'est bien, Kissino. Après, moi, je connais des gens qui ont des araignées, genre des mygales. Comme c'est assez gros, effectivement, tu peux les caresser, mais faut aller extrêmement délicatement, parce qu'effectivement, c'est grâce à leur poil qu'elles arrivent à sentir toutes les ondes, hein, de déplacement des et c'est pour ça qu'elles arrivent à chasser, en plus de leur vue extrêmement efficace la nuit, les insectes. D'ailleurs, c'est comme les chats la nuit. Hein. La nuit, c'est leur moustache qui vibre et puis ils ressentent les déplacements des rongeurs surtout. Et voilà. Allez, cœur en force, salut à toi, merci d'être passé. Le biotope, exactement. Jacques Pignolet, bonsoir à toi. N'oubliez pas de vous inscrire sur sa chaîne à notre cher Jacques Pignolet, ami belge. À très bientôt et fais-nous encore bien rigoler en tout cas. Salut, il y a des loups vers chez toi. Ouais, Boris, alors apparemment on en a détecté dans la montagne à côté, là, qui s'appelle le Carrousse. Donc je suis très content si c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y a une petite meute de 4 loups. Donc écoute, c'est bien, moi je croise les doigts pour que le vivant puisse s'exprimer en bonne et due forme dans sa propre maison qu'est la nature. Hein. N'oubliez pas que c'est nous qui habitons chez eux, hein. C'est pas le contraire. Merci à toi mon ami. Caresse aux quatre pattes, ça sera fait. Ah Eric, ouais, mon nouveau sol, regarde. Merde, on voit que de là. Voilà, là je vais bientôt faire ma petite fontaine. Hein, j'ai un petit robinet là et donc du coup je vais creuser un tout petit peu plus et puis je vais coller des cailloux de la rivière pour faire un bac. Et comme ça l'été je pourrai laisser tout le temps de l'eau là, ça rafraîchira. Et puis là autour, je vais aussi habiller ça de pierre pour faire un genre de petite fontaine, quoi. Voilà, tranquillou. Hein. Ça va être bien. Déjà là, ça me change la vie. C'est tout en propre. Tiens, t'as vu, regarde mon sol. Jusqu'à présent, j'avais des tapis, j'avais des poils partout. Regarde, là, il est nickel. Tous les matins, je passe un petit coup de balai, un petit coup de jet d'eau et un petit coup de raclette. Le bordel, il est H24 propre. Je marche pieds nus en plein après-midi. C'est froid, c'est bon, c'est frais. Je suis trop content. Merci en tout cas. Mon puits, 12 mètres de profondeur, l'eau à 4-5 mètres quand il est plein. Oh, c'est génial ça. Merci Sylvie, bonne fête soirée. On ne parle pas belge, hein, on parle français, hein, ici. Hein. Mais en tout cas, c'est ça.
Cœur en force, ben merci à toi aussi. Karine Blondel, bonsoir à tous. Toujours un plaisir de t'écouter. Merci, merci beaucoup. Je ne dis pas plus de choses vraies que n'importe lequel d'entre nous qui est conscient, encore une fois, de l'amour, hein, tout simplement. Le chat écrit est bloqué chez moi. C'est ballot. Ah merde, Zéfri. Ben, des co-recos, hein. Très urticant les migales, tu m'étonnes. Mais il y en a qui les bouffent et puis qui prennent les dents après pour se faire les dents, justement. Mort de rire. La matrice universelle, j'ai vu ton sol quand tu es rentré. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il doit être content, tu m'étonnes. Christophe, non, je ne suis pas végétarien. Je mange encore de la viande. Mais par contre, j'achète ma viande. Maintenant, je mange que de la volaille. En fait, je n'achète que de la volaille que je me procure chez un éleveur, pas très loin de chez moi. Mais par contre, ça peut m'arriver que quand j'ai des invités qui ramènent de la viande rouge ou du porc, de manger encore ce genre de viande par l'intermédiaire du barbecue. Donc voilà, mais c'est très très peu. Mais je l'avais déjà dit dans une vidéo, ça ne me dérange pas de manger de la viande à partir du moment où les animaux ont pu vivre une vie normale. Voyez? Et puis qui sont bien sûr tués sans souffrance. Hein? Voilà. Là. Ça ne me dérange pas de manger très peu de viande, mais d'en manger quand même. Hein. Par contre, il est hors de question que je continue à bouffer de la viande en batterie, des œufs en batterie, ce genre de saloperie. Ça, je boycotte à 100%. Je ne mange plus de viande qui n'a pas vu le ciel, qui n'a pas brouté de la vraie herbe. Voilà, ça c'est clair, je n'en mange plus. Rien que d'en parler, j'ai un haut-le-cœur là, j'ai envie de dégueuler. Hein, parce que moi, je sais exactement ce qui se passe dans les abattoirs, qu'est-ce qui se passe dans les fermes des 1000 cochons. Tellement que tu as envie de dégueuler, les animaux, ils sont là-dedans. Je vous dis, ils sont morts vivants déjà. C'est des morts vivants, ces animaux, les pauvres. Hein. Et après, on va les tuer en les torturant. Et c'est ce qu'on retrouve dans nos assiettes. Donc là, vous bouffez. Vous ne mangez pas des protéines, là. Vous mangez que des picouses pour que les animaux restent en vie, là. C'est pareil, hein. Là, c'est que de la merde en boîte, hein. Donc ça, c'est sûr que je n'en mange pas. Alors, effectivement, ça peut arriver que j'ai un pote qui vient, qui ramène de la saucisse. Je ne sais pas d'où ça vient. J'en mange pas. Hein. Voilà. Ça m'énerve. J'en mange pas. Et voilà. Donc, mais bon, généralement, je fais confiance. J'ai un impact sur ça. Mais personnellement, je fais très attention à ce que je mange et voilà. Par chez moi, avec les incendies, il y a eu beaucoup de mouvements de loups. Ah, tu m'étonnes, ils se barrent, Loïc, hein, t'as vu, hein? Ils savent, hein, eux. Et Gaïa Termer, coucou. Ça faisait longtemps, ouais. Désolé, hein, j'ai plein de trucs à faire. Et puis, ne croyez pas que je ne partage pas parce que je ne vous fais pas de vidéo, hein. Je reçois des gens, je prends du temps à partager avec les gens que je reçois. Donc je fais ce que je peux, mais je vous oublie pas. Hein, pour l'instant, je continue à partager mon mode de vie, mon expérience, qui n'est que le reflet de ma propre expérience. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut que chacun fasse comme ça. Chacun doit approprier son mode de vie au prorata de sa propre expérience. Hein, ok? Donc, il n'y a pas de pensée unique, il n'y a pas de méthode unique. On est tous différents. Hein. Alors, c'est vrai qu'il faut constater qu'il y a quelque chose de magnifique qui engendre la vie, c'est l'amour. Et l'amour qui a créé la vie, c'est pour que la vie engendre l'amour. Ça, je pense que quand vous êtes proche de la nature, vous en êtes conscient assez rapidement. L'Écossais salue les Indiens, manger de la viande et respecter les animaux. On est tout à fait d'accord. D'ailleurs, si la masse cérébrale a augmenté très rapidement pour notre espèce, c'est bien par rapport de protéines, par rapport à la protéine. À partir du moment où on a commencé, au début, on était des charognards, on mangeait de la viande, pas que ça. Hein. D'abord, on mangeait des légumes et des fruits. Hein, mais ça arrivait aussi qu'on mange des charognes, hein, qui n'étaient pas trop décomposées. Et à partir du moment où on a chassé, bah les centimètres cubes ont commencé à grandir de façon très rapide. Hein. C'est pour ça qu'on a pu s'améliorer de plus en plus. Donc la nature nous montre d'ailleurs, dans tous les sens du terme, que son équilibre parfait est fait pour que chaque espèce puisse manger à sa faim. Et parmi les espèces qu'elle a créées, hein, il y a des carnivores. Bon, c'est vrai que nous,
Il y a des gens qui tergiversent avec notre œsophage. On a l'œsophage d'un végétarien parce que les carnivores, l'œsophage est plus petit. On n'a pas soi-disant les dents adéquates, alors que nos dents, là, nos incisives, c'est bien fait pour arracher quand même. Hein. Donc c'est pas pour rien. On n'a pas une dentition comme ça pour que dalle. Hein. Donc c'est pour mâcher aussi les molaires. Alors certes, c'est surtout pour mâcher ce qui est fibreux. Donc, c'est bien pour aussi arracher, pouvoir arracher. Donc, t'arraches la chair surtout, hein, t'arraches pas les légumes. Les légumes, c'est... Bref, ça tergiverse dans tous les sens à ce niveau-là. Faut être végétarien, faut pas, machin, patacoufin. Arrêtez de vous prendre la tête. La nature, elle montre qu'effectivement, à notre espèce, elle a donné cet avantage carrément, vraiment énorme comparé aux autres espèces, c'est que nous sommes les seuls à avoir un régime alimentaire aussi diversifié que ça. Et elle nous... Désolé pour la décoroco. Quand vous arrêtez de manger de la viande pendant un certain temps, vous vous apercevez que vos selles ne sentent plus la merde. Ça sent la végétation. Ça sent le purin d'ortie, certes. C'est vrai que le purin, ça sent, mais ça sent pas la merde de chien. Vous voyez, la merde de viande macérée. Ça, c'est sûr. Donc, effectivement, ça peut être que bénéfique de pas manger de viande. Hein. Surtout qu'aujourd'hui, on a quand même quelques légumes, quelques fruits secs, tout ça, qui contiennent assez de protéines pour qu'on puisse s'en passer. Mais bon. La nature nous a donné cette possibilité de le faire. À partir du moment où on le fait avec amour, je veux dire, il y a des espèces qui sont conscientes qu'elles vont servir à être mangées. Hein. Vous n'inquiétez pas que dans les terriens, toutes les espèces qui sont sur notre planète, on n'est pas les seuls qui sont pourvus d'intelligence. Hein. Toutes les autres espèces, tous les terriens sont intelligents. Les plantes elles-mêmes, d'ailleurs, les plantes, c'est elles qui ont conquis les premiers la planète quand même. Hein. Donc elles ont conscience, elles se multiplient, elles avancent, elles se déplacent, elles font tout ça exactement comme n'importe quel autre mammifère ou insecte ou ce que vous voulez. Hein. Tout le vivant est conscient et donc a une mémoire, a une conscience. Et ça, c'est ce qui prouve justement qu'on est tous égaux, hein, puisque on a tous été créés avec exactement le même amour. Et ça, je pense que personne ne peut dire le contraire. Ceux qui disent ça, exactement, on mange leur stress. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont pas encore compris, bien sûr, la relation de cette symbiose parfaite. C'est fou, oui, la violence de l'humain sur l'animal. T'as vu ça? Hein? Le nombre de mal qu'on fait, mais c'est un truc de fou. Amour ou haine? Vous voulez quoi? Et là, ben, c'est vrai qu'on fait proliférer la haine, parce qu'en mangeant des animaux en batterie, ben, on fait proliférer la haine. Et donc, du coup, vous ingurgitez la haine, hein, aussi. Donc, c'est un peu normal après que les moujons, ben, ils soient là. Les gens, ils se trucident. Il n'y a que de la merde dans les villes quand vous regardez bien tout à l'heure. Hein. Enfin, bref. On est d'accord, Boris. Moi, j'ai toujours vu que. Ben, je n'arrivais pas à la cheville de la nature au niveau de la générosité. Je peux donner toute la générosité que je peux. Hein. Je me lève le matin, j'envoie de la générosité à la nature, je vous parle. Hein. Je lui donne tout l'amour que je peux et tout. J'arrive pas à sa cheville. Elle me donne toujours 100 fois plus. Elle me rend 100 fois plus. C'est incroyable, mais vrai. Voilà. Je sais plus quoi faire tellement j'ai d'amour. Donc j'essaie de le distribuer. Salut, Hervé, salut. Le fromage au lait cru a développé le cerveau humain aussi, me semble-t-il. Certes, mais qu'à un certain âge. Parce que n'oubliez pas que les produits laitiers sont bons pour l'être humain, mais que quand on est en croissance. À partir du moment où on a fini notre croissance, normalement, on n'aura plus besoin de manger des produits laitiers. Et je dirais même que c'est néfaste. Et puis bon, aujourd'hui, c'est 100% néfaste parce que même les produits laitiers, c'est que du gras, c'est que de la merde. Hein. Si vous achetez, si vous consommez du fromage, des produits laitiers, allez acheter ça chez des producteurs. Hein. C'est ça en fait. Il faut acheter chez les producteurs. Il faut être locavore. C'est ça le secret aussi. Hein. Il n'y a que comme ça que vous aurez une alimentation saine. Hein. Si vous, désolé pour la décoroco, pour se faire du pognon sur notre compte et sur notre santé, vous ne faites que cautionner la haine. C'est ça le truc. Donc, regardez qui produit chez vous et vous achetez chez eux. C'est aussi simple que ça. Vous allez dire oui, c'est cher. Ouais, mais si, pourquoi c'est cher? Parce qu'ils n'ont pas assez de clients aussi, les mecs. Il faut bien qu'ils mangent. Hein. Ils passent toute leur vie à faire des bons trucs et il y a 3-4 clients qui viennent. Donc si tous les clients, à la place d'acheter des tomates de merde à Carouf ou je sais pas où, vous allez acheter chez le producteur local, vous allez voir qu'il va vous les vendre moins cher. C'est obligé. Lui, il n'est pas là pour faire du pognon. Il est là pour continuer à produire sa petite production. Et pour les protéines des graines de chanvre, mais carrément.
Gaïa Termer, n'oubliez pas que j'ai fait une vidéo justement sur les plantes magiques. J'en ai fait quelques-unes, il faudrait que je reprenne ce genre de vidéo aussi. Mais j'en ai fait une spécialement sur Marie-Jeanne en le disant. Hein. Toute la plante est bonne, hein, et puis ils veulent nous empêcher de la consommer, quoi. Bref, et effectivement, comme tu dis, il y a des protéines. Donc, encore une fois, on pourrait se passer de viande. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. Avant de manger de la viande, faut lui dire repose en paix. J'ai même une bougie qui parle, elle dit minuit, minuit, elle dit minuit. Ah. Oh putain, excellent. Moi aussi, signe de la Vierge. Ah, c'est bien. Allez, viens en septembre ici, tu vas voir, on fait une grosse teuf 100% Vierge. La vie est belle et simple, mais trop de gens aiment cela compliqué, c'est dommage. Ouais, bon, ça c'est parce qu'ils savent pas ce que c'est l'amour. Hein. On est d'accord. Hein. Faites le plein de graines avant que ce soit interdit. Ouais, bon, t'inquiète pas, RD, tous les gens qui me côtoient, ils ont tous une banque de graines extrêmement complète. Et chacun la renouvelle chaque année un peu plus. Moi, je sais que, tu vois, là, je vous ai montré en tout début de vidéo mes haricots verts. Que j'ai arrêté d'arroser parce que ça me prenait trop de temps, donc j'en ai mangé genre 3-4 kilos, c'est pas énorme, c'est l'équivalent de 3-4 saladiers, pas plus. J'ai mangé mes salades, j'ai dû en manger une bonne dizaine. Bon, après j'ai tout laissé parce que je voyais très bien qu'il fallait que j'arrose trop parce qu'il fait trop chaud, et donc je pouvais pas passer trop de temps à ça, donc je les ai laissés. Et malgré le fait que les haricots verts soient secs, les graines à l'intérieur elles sont bonnes. Je vais les replanter pour l'année prochaine et c'est parfait. Hein. Elles se seront encore un peu plus adaptées à moins d'eau et voilà, à force d'améliorer ma terre, de faire. D'avoir passé du temps dans sa terre pour qu'elle soit une éponge. Hein. Donc peut-être que d'ici 2-3 ans, j'arriverai sur 2-3 parcelles que j'ai commencé à travailler depuis que je suis ici, à faire en sorte que je n'ai plus besoin, ou très très peu, de faire des interventions au niveau de l'arrosage. Hein. Mais pour l'instant, vous voyez très bien que si tu n'arroses pas, ça pousse pas. Les pois chiches, j'en ai fait pousser, mon cher Gino. Hein. Les pois chiches, c'est très très bon. Et effectivement, il y a aussi des protéines là-dedans, sans compter qu'il y a de la vitamine B17, comme dans les noyaux de fruits, il me semble. Hein, j'espère que je dis pas de conneries. Bref, c'est pas très grave si c'est le cas, mais en tout cas, les pois chiches, c'est très très bon. C'est pas des plantes magiques, c'est les plantes des dieux. Ouais, c'est ça, Joachim. Elles seront résistantes, tout à fait. J'étais juste curieux en te demandant si tu étais végétarien. Je ne pensais pas que ça allait lancer un débat. Très intéressant en tout cas. Ben, oui, écoute, chaque question est propice à pas un débat, parce que tu as vu, là, je fais un monologue, hein, on ne peut pas discuter malheureusement, mais en tout cas, c'est pas un débat, c'est essayer de partager nos expériences. Et moi, ben, je sais très bien que je suis conscient de tout ça, hein, c'est-à-dire que on maltraite les animaux, on les empêche de vivre réellement, tout ça, tu vois. Et puis du coup, ben, j'espère que ça t'a appris deux, trois trucs, santé à vous. Mais moi, je sais qu'il est hors de question que je mange des animaux en batterie. Je me battais déjà depuis tout le temps avec les œufs, parce que les œufs, c'est pareil, j'ai appris ça. Quand j'apprends les choses, quand je vous critique, façon de parler, critiquer, hein, quand je ne suis pas content quand des gens achètent cette pâte à tartiner de merde de chez Ferrero, là, hein, faut pas croire que moi, j'en ai jamais mangé. Hein. J'en ai mangé, hein, comme tout le monde. J'ai été dans la société, j'ai été corrompu par ce système, comme tout le monde. Okay. Mais sauf que j'ai très vite appris que dans cette pâte à tartiner de merde, il y avait plus de 50% d'huile de palme. Déjà là, je me suis arrêté. Et ensuite, quand je me suis intéressé à savoir, parce que je voulais savoir encore plus comment c'était réellement fabriqué, le secret de fabrication, il est bien gardé hein, dans un coffre-fort à clé. Mais j'ai appris ensuite, en cherchant encore plus profondément, hein, que, ils avaient mis des phtalates. Les phtalates, c'est des produits chimiques tirés de la pétrochimie qui sont mis en place. C'est de la chimie, hein, c'est pour élastifier ou rigidifier les plastiques. Et donc, ils en ont mis dans cette pâte à tartiner pour que peu importe la température qu'il fasse chez vous, que vous puissiez avoir une pâte toujours onctueuse pour la tartiner. Vous imaginez jusqu'où ils vont? Mais c'est des malades mentaux, je vous jure, c'est des malades mentaux. Donc, quand tu apprends ça et que tu continues à bouffer ça, ben là, excuse-moi, mais là, c'était une grosse merde, tu vois. Donc, moi, j'avais déjà arrêté. Moi, je suis Lorrain, hein. Je suis de la Lorraine. On adore les crêpes en Lorraine. Donc nous, quand j'étais petit, ma maman, elle nous faisait une fois par semaine des crêpes. Hein, c'était génial. Alors on mettait de la confiture, on mettait du miel, on mettait du sucre même. Et puis ça nous arrivait de temps en temps de mettre de la pâte à tartiner parce que fort heureusement, dans notre
Dans notre situation, ma mère, elle n'avait pas trop de sous, donc elle ne pouvait pas acheter non plus cette merde tout le temps, mais de temps en temps, en croyant nous faire plaisir, elle en achetait, et met cette saloperie sur des crêpes chaudes, c'est vrai que c'est bon. Hein, voilà. Mais quand tu sais ensuite toutes les merdes qu'il y a là-dedans, eh ben, tu fais des... Alors, regarde, il y a quelqu'un qui m'a ramené ça, eh ben, là j'en mange, ça me dérange pas, tu vois. Alors, j'ai regardé, il n'y a pas d'huile de palme, tu vois, c'est de la pâte à tartiner. Ah, les gens, ils disent, ouais, c'est moins bon. Comment ça, c'est moins bon? Je ne vois pas de différence entre ça et au niveau goût chocolat, au niveau goût noisette, il n'y a pas de différence avec l'autre marque. Hein. Faut arrêter de délirer, hein, les gens. Ah oui, mais non, c'est pas pareil. Mon cul, ça, je mets ça sur mes crêpes. Et bon, là, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Eh bien, écoutez, ça marche, ça marche. Hein. Donc, faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est comme la boisson gazeuse caramélisée. Il y a des alternatives. Hein. Il me semble qu'en Bretagne, ils en fabriquent de la boisson gazeuse caramélisée. Donc, voyez, on pourrait très bien, même pour ceux qui sont accros à ce genre de boisson, arrêter de consommer ces grosses marques parce qu'ils ont certes le monopole, mais fort heureusement, il y a toujours des gens qui fabriquent des choses similaires et qui sont cette fois fabriquées de façon saine. Hein. La limonade artisanale en France, elle a toujours existé. Moi, j'en prends de temps en temps parce que c'est la bouteille en verre avec le bouchon. Comme ça, après, je peux mettre de l'eau que j'ai filtrée, hein, et comme ça, elle n'est pas en bouteille. Donc, il y a des alternatives, d'accord? C'est à nous à faire les efforts aussi, à être assez disciplinés pour ne pas acheter de merde, quoi. Hein. Donc, tu vois, ta curiosité ben, attise des sujets et puis ben, on approfondit justement le sujet. Et puis chacun d'entre nous, on apprend des choses. C'est génial, pose des questions. Moi, je suis prêt à répondre à toutes les questions tant que je sais y répondre. Désolé pour la déco-reco qui m'a dit sur YouTube. Bah écoutez, pour l'instant, moi, j'en consomme encore de cette plateforme. Hein, et j'en consomme pour une bonne raison, je trouve. Donc voilà. Bonne soirée. Putain, je vois plus rien, Boris. Baris. Attends, je vais prendre ça là. Tac. Ouais. Je vais faire comme ça. Tac. C'est Baris JK. D'accord? Ok. Ah, tu vas mater les étoiles filantes, tu fais bien. Jordan, salut à toi. Hop, je vous remets là. Dites-moi comment un peuple traite ces animaux et je vous dirai qu'ils sont. On est tout à fait d'accord, Jacques. C'est ça. Tant qu'on distribue de la haine, on reçoit que de la haine. Quand vous distribuez de l'amour, vous recevez que de l'amour. Et moi, je pense que depuis pas tout à fait 3 ans, parce que je ne l'ai pas reçu, enfin, je l'ai reçu de suite, mais comme j'avais trop de choses dans ma tête et je sortais du système, j'étais pas conscient de suite quand je suis arrivé ici que je recevais l'amour à profusion. Là, maintenant, ça fait plus de 2 ans que j'en suis conscient. Croyez-moi bien que j'ai plus envie d'être dans la société. J'ai plus envie. Je sens trop la haine dans la société. Vous voyez? Donc c'est insupportable pour moi. Rien que le bruit des hommes, j'en peux plus quoi. L'année dernière, le mildiou a ravagé presque toutes mes tomates. Ouais, ça je connais bien. Et tu vois, au tout début, c'est pour ça que j'étais pas conscient de tout l'amour que j'avais ici. Au tout début, je subissais le vent. Parce que le vent, des fois, il souffle très très fort et puis il stagne vers 50, entre 40 et 60 km/h. Mais des fois, il t'envoie des putains de rafales en stagnant toujours à 60, tu vois. Il se met à 60, il souffle comme un fou. Et des fois, grosse rafale à 80, 120 km/h, tu pètes un plomb. C'est franchement, c'est ultra fatigant, c'est agaçant, ça fait, c'est un son, c'est un son, mais il fait du bruit ce son, mais incroyable quoi. Je veux dire, c'est assez éprouvant quand même quand le vent il souffle ici. Au début, je me suis même entendu l'insulter. Putain, tu casses les couilles, putain, j'en peux plus. Oh là là, j'en avais marre. Crois-moi bien qu'aujourd'hui, quand le vent il souffle, je suis trop content. Parce que quand il souffle, non seulement, si en plus il souffle l'été, ça me rafraîchit. Alors c'est vrai que l'hiver, ça caille un peu. Mais en tout cas, il me chasse toutes les saloperies qu'il y a dans l'air. Donc il me renouvelle mon air constamment. Hein. C'est comme si j'avais un purificateur d'air. Et l'été, quand il souffle, désolé pour la déco-reco, le vent empêche les insectes de casser les bombecs, tu vois. Donc aujourd'hui, je suis conscient que la nature me donne que de l'amour dans tous les sens du terme, dans tous ses éléments, dans toutes les espèces, dans tout, tout. C'est que de l'amour. Même le moustique, il vient me sucer. Il vient me sucer pourquoi? Parce que mon son, il est bon pour lui. Hein. Pour lui, c'est de l'amour. Ah, oh, merci et tout.
Donc, il y en a qui arrivent à me sucer sans que j'arrive à les tuer. Hein. Vous imaginez le nombre de moustiques qui viennent me piquer? Je peux pas, j'arrive pas à tous les tuer. Et d'ailleurs, il y en a certains que tu sens pas. Aujourd'hui, les moustiques, ils sont ultra rapides. Ils sont plus aussi rapides que des mouches. Hein. Va tuer un moustique aussi rapide qu'une mouche. Il t'a piqué le mollet, il s'est barré. Il pique la cuisse, il se barre, il pique l'épaule. Il revient de l'autre côté et tout. Puis le temps que tu saches qu'il t'a piqué là-bas, et ça y est, t'as sucé les 3 gouttes de sang, il s'est barré le mec. Hein. Donc, enfin bref. Même les moustiques, t'inquiète que c'est aussi de l'amour, puisqu'ils nourrissent encore une fois plein d'espèces, tout ça, nanana, nanana. Ok? Un live très sympa. Ben, merci. Douchka. Je dis pas l'autre mot parce que je, tu vois, j'ai du mal à voir. C'est écrit tout petit, hein, là, les gens. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Akista, c'est ça? J'espère. Sympa, c'est cool d'entendre une belle âme. Je te souhaite une bonne nuit, ainsi qu'à tous. Ben, merci à toi. Belle nuit. J'espère que tu vas regarder le ciel si tu peux et que tu tombes sur une superbe étoile filante et que tu vas voir, c'est trop bon. Le chocolat avec des tablettes fondues, avec du beurre dans une casserole est 1000 fois plus meilleur que toutes ces saloperies, surtout sur une crêpe. On est tout à fait d'accord, Custino, ça c'est clair. Là, celle-là, j'accepte de la manger parce que dans la composition, déjà, c'est pas de l'huile de palme, c'est de l'huile de tournesol. Et là-dedans, il n'y a pas de phtalate parce que tu vois bien que... Au tout début, je la mettais dans mon frigo saharien, là. C'est à 9 degrés. La pâte, elle devient dure. Hein. Donc, c'est qu'il n'y a pas de saloperie dedans de produits chimiques, normalement. Hein, c'est du chocolat. Alors, certes, c'est très sucré. Donc, j'en mange quasiment pas. Hein. Elle est encore pleine, quoi, tu vois. Donc, voilà, quoi. Le meilleur, c'est le chocolat noir sans sucre. Le chocolat amer. 90% minimum de cacao. Alors, c'est vrai que c'est un peu délicat dans la bouche quand vous n'avez pas le palais habitué, hein, parce que c'est vachement amer. Mais une fois que vous avez goûté et que vous vous habituez à votre palais, vous sentez quand même le sucré du cacao. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Oui, j'ai des questions. Que penses-tu du youtubeur Jordan Ronde? Je suis désolé. Je ne... Ah, bah, c'est toi. Mais je connais pas. Tu m'as jamais partagé ta chaîne, mec. Bah, j'irai voir. Écoute. J'irai voir, je suis désolé. Si je suis allé te voir, c'est peut-être qu'une seule fois, si c'est vrai que tu existes, mais je me rappelle absolument pas, donc je peux rien te dire là-dessus. Mais comme c'est toi, ben écoute, je cliquerai sur ton truc, sur ton pseudo, et puis du coup, on a accès à la chaîne, et puis je verrai ce que tu fais. Et je te dirai le prochain direct ce que je pense de ça, de toi, d'accord? Salut Maxou53. Les crêpes à la bière avec Cassonade, mais le chant du vent, ça fait peur. Ouais, au début, c'est vrai que ça fait peur parce que des fois, il souffle, tu te dis, il y a tout qui va arracher. En plus, il est extrêmement agaçant quand tu ne prends pas en compte ce qui t'apporte réellement. Voilà. Bon, maintenant, ça y est, j'ai compris que mon vent, il me veut que de l'amour. Pour les colas, il existe des recettes utilisées par des colas alternatifs. Il y avait Buck Cola, d'accord, par exemple. Pas sûr que ça ait survécu, par contre, ouais. Par contre, moi, je suis quasiment sûr qu'il existe encore ce genre de boisson en Bretagne. C'est eux qui le fabriquent et voilà. Bon, je vais reposer la citrouille en compagnie des acariens. Bah, ok, de toute façon, je déco là. Je termine de vous lire. Dès que j'ai terminé, je déco aussi. Au Maghreb, pas de clim, mais ventilation naturelle, là, tu vois. Les moustiques, il y a mon chien qui est en train de chasser un animal là. Ouais, c'est les femelles qui piquent. On ne dit pas qu'elles piquent, elles sucent. Hein. Elles rentrent leur trompe dans ta peau pour sucer ton sang. Ouais, on est d'accord, la vie en vie. J'adore le chocolat, mais le problème, c'est que c'est les enfants qui le récoltent. Je t'adore déjà, je sens que c'est un de vrai. Quelqu'un de vrai, pardon. Eh ben merci beaucoup, écoute, Jordan. Jean-Paul, merci d'être passé. Bonne nuit. T'as un parachute, c'est bien. Ah, il y a du Bread's Cola. Ah, d'accord, c'est ça. C'est le Bread's Cola en Bretagne. Ok. Merci, bonne nuit aussi, Patafix. À très bientôt, Division 0. Bye bye. Oldison, Tricatel ou naturel? Merci de finesse d'avoir dénoncé déjà la malbouffe. Hein. Dans les années, c'était quoi? 80, je crois.
Ça, c'était un pionnier de la résistance aussi, hein, de Funès. On peut dire ce qu'on veut sur lui, sur son caractère. En tout cas, il dénonçait déjà des bons trucs. Allez, sur ces bonnes paroles, faites proliférer l'amour, partagez-le avec Coluche aussi, on est tout à fait d'accord. Prenez soin de votre santé en mangeant le maximum de choses dont vous savez où elles ont été produites. N'oubliez pas le boycott 15, 16, 17. Essayez de... Attention, le boycott, ça veut... Désolé pour la déco-roco. Essayez de ne pas consommer les grandes marques qui nous polluent. Okay? Consommez autant que d'habitude, mais essayez de justement aller voir vos producteurs locaux, pardon. Et voilà. Hein? J'espère que ça va un peu marcher. Et n'oubliez surtout pas que quand bien même on n'est pas nombreux, essayez de faire partager cette information qui devrait l'être tous les jours. Tous les jours, on devrait parler de boycott. Il faut absolument parler boycott tous les jours parce qu'il faut absolument également matraquer tous ces moujons qui ont besoin d'être lobotomisés pour comprendre les choses. Okay? C'est notre boulot à nous, vous le savez. Il faut parler de ça tout le temps. Malheureusement, ce n'est pas trop diffusé sur les grosses chaînes YouTube, mais ce n'est pas grave. On le fait nous-mêmes. Même si c'est de façon locale, c'est pas grave. Le colibri, n'oubliez pas qu'il a son importance comme n'importe quelle autre espèce. Hein. On peut faire du cola avec du vinaigre balsamique si mes souvenirs sont bons. Tiens, à voir ça, mon Zéfri, pourquoi pas? Si, ouais, faut trouver la recette. Et puis après, il faut faire attention aussi au vinaigre balsamique qu'on achète hein, parce que ça aussi, c'est dilué. C'est voilà, ça, c'est dilué. Ça, par contre, il n'y a pas de problème. Le vrai bisous. Vinaigre balsamique, c'est presque le prix d'une bouteille de vin. Donc, faut compter entre 8 et 10 balles hein, pour une bonne bouteille de vinaigre balsamique. Hein. Donc, c'est vrai que ce n'est pas donné, mais on n'est pas censé en manger tous les jours. Voilà. Marie-Christine, salut. Je suis contente que tu abordes la question de ce mec qui prétend cultiver des légumes sans eau. J'ai tout de suite pensé à toi. Tu vois. Donc ça, j'en ai parlé un peu en début de direct. Là, je vais le laisser ce direct. Et puis, ben voilà, ben vous pouvez très bien revoir la rediff. Et voilà. Bon, allez, sur ce dernier message de Marie-Christine, je vous laisse. Merci à vous d'avoir participé à ce petit direct. Et je vous dis à très bientôt. Ouais, j'aurais pu vous faire... allez, je termine par une petite chanson. J'ai rectifié la chanson L'avant de sauge romarin éteint. C'est celle-là que je vais essayer d'enregistrer en espérant que les arrangements soient bons. Je vais essayer de caler le téléphone. Je vous fais cette chanson et je déco direct après. Ça marche. Ok? J'espère que ça va bien marcher. En tout cas, merci d'avoir participé. Je vous dis déjà bye bye. Si jamais la maquette est belle, ben bien sûr, je vous demanderai de m'aider à... Ah, ça bug. Voilà. Allez, c'est parti, hein. Merci à vous en tout cas et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Servez dessus.
J'espère qu'il n'y a pas eu trop de déco-reco. Bye bye, à très bientôt, merci à vous.